J'arrive, j'arrive. Attention, ça va couper la musique d'un coup. Boum, boum, boum. Et salut. Salut, salut. Parce qu'on voit, j'ai le t-shirt de Stormtrooper. Comment allez-vous? Et salut, Bella Ciao. Merci pour. J'ai vu que t'as mis le Prime et tout. Cool. Merci bien. Ouais, ouais, ouais. Vous avez vu, pour la campagne Jawa, j'ai un t-shirt Jawa. Pour la campagne Stormtrooper, j'ai un t-shirt Stormtrooper. Bon, je les aurai pas tous. Hein. Je vais recharger la petite page. Je vais expliquer, hein, pour les gens qui connaissent pas trop. Je vais bien sûr expliquer le principe, tranquillement. Mais pour les gens qui ont déjà créé le perso, c'est cool. Alors, Skylar, c'est qui? Alors, c'est pas dramatique, mais si vous pouvez, dans l'idéal, avoir un nom de personnage qui est le même que votre nom sur le chat Twitch, ça m'aidera à faire les relations directes entre ce que vous écrivez dans le chat et vos stats et tout, ce sera plus pratique, quoi. Après, bon. On se débrouillera toujours. Alors, je mettrai après une petite ambiance sonore concernant, enfin, qui en rapport avec les lieux dans lesquels vous allez vous trouver. Mais, enfin, vous, peut-être savez-vous déjà où vous allez être. Mais... Pour une session barbare, torse nu. Alors, on a fait une soirée commando barbare, mais j'étais pas torse nu. Mais... Le jour où on fait un Conan, on verra. Je pourrais mettre un faux torse nu, là, les trucs en plastique avec plein de biscotto, peut-être. Éventuellement. Donc, ouais, les persos ne sont pas tous connectés. Alors, si vous êtes censé être connecté, mais que ça n'apparaît pas, parfois, il y a un petit bug avec le moteur. Donc, essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter. Tâchez aussi, dans l'idéal, de prendre un mot de passe simple. Enfin, en tout cas, de vous rappeler du mot de passe. Notez le mot de passe que vous avez utilisé. Parce que, bon, ça sera une petite campagne, quoi. L'idée, c'est de faire un truc avec un fil rouge où on jouera une fois par mois dans ce contexte. Si vous n'êtes pas là à chaque fois, ce n'est pas grave, parce que l'idée, ça serait de faire des épisodes distincts, un peu à la Star Trek, des épisodes indépendants les uns des autres. Mais donc voilà, si jamais vous voulez revenir, ça peut être cool de retrouver votre mot de passe. Quoi. Ah bah voilà, c'est mieux là. Alors qui est Bunker Max? Qui est Skylar? Voilà, c'est les deux pour lesquels j'ai le plus de doutes. Après bon, vous n'êtes pas obligé de vous... On peut aussi tout à fait créer un personnage sans participer sur le chat, hein, c'est tout à fait possible. Ah bah tu t'appelles Bunker, ok. Bon bah dans ce cas-là, pas de problème, nickel. Et il reste juste à voir pour Skylar, est-ce que c'est au Belacha ou rien à voir. Mais bon, comme je dis, je propose de faire cette relation, mais on n'est pas obligé de le faire non plus. Et puis vous n'êtes pas obligé de causer sur le chat si vous n'en avez pas envie. Ok. Ah oui, non, si, au Belacha où tu as ton perso, ouais, c'est bon. Très bien, très bien. Il y a Drake qui, normalement, il a créé son perso, il devrait nous rejoindre. Après, je sais que parfois, il a des soucis de connexion. Drake, esprit de Drake, es-tu là? TK626, c'est moi, c'est juste un test à moi. Et Alex, je ne te vois pas connecté. Bon, de toute façon, le temps que j'explique un peu à tout le monde, vous avez le temps d'arriver, ceux qui ne sont pas encore tout à fait en blanc sur l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est que ces soirées Minotaur? Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais je vois qu'il y a des nouvelles têtes aussi, donc je vais récapituler. Donc, déjà, rendons à César ce qui est à César. C'est un système qui a été créé par Fibre Tigre, MJ de Game of Roll, entre autres. Ça s'appelait ATRPG avant, et ça a été repris par une petite équipe, dont Nichru, et puis j'ai aussi un petit peu collaboré. Yes. Et Mickaël, merci à Stylan. Bah écoute... Est-ce que c'est toi Skylar ou rien à voir? Bon, je vais te laisser. Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai mis le lien. J'ai affiché hein, pour participer, point d'exclamation SW, mais on va le remettre dans le chat comme de temps en temps pour qu'on puisse facilement trouver le lien pour rejoindre. Vous devez indiquer un nom qui, si possible, sera celui aussi de votre pseudo Twitch ou alors un truc qui ressemble beaucoup. Hein. Comme par exemple bah, Bunker qui s'appelle Bunker Max dans le perso, j'arriverai facilement à savoir qui est qui, il n'y a pas de souci. Et mettez un mot de passe simple et que vous pourrez facilement retrouver au cas où vous voudriez revenir pour une session prochaine, vu que ce sera tous les deuxièmes mardis du mois, dans l'idéal, si on arrive à tenir ce truc-là. Et pourquoi ouais, il faut des coups recos pour si vous voyez toujours offline.
Donc là, c'est bon pour Alex maintenant. Et donc, je disais que le système Minotaur a été créé par Fibreautique. Il a libéré, c'est de l'open source maintenant, et donc on est quelques-uns à bosser dessus. Et ça permet en fait de faire une sorte de jeu de rôle avec un nombre de personnages pas forcément limité. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de rôle, c'est de plus en plus connu, donc probablement que oui. Mais c'est difficile en général de jouer à plus de 4, 5, 6. Là, il n'y a pas tellement de limites, donc on peut éventuellement. Là, il y a 10 personnages, 11 personnages en jeu. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, disons 9 en online. Et ça ne posera pas tellement de soucis, puisque vous avez chacune une petite fiche de perso sur laquelle je vais m'étendre quelque peu. Et après, on verra quelles sont les actions que, de mon côté, en tant que meneur de jeu, je peux utiliser pour profiter de ça en faisant évoluer l'histoire dans un sens ou dans un autre. Et alors, Nasher, oui, bien sûr, il faut remercier Nasher pour plein de choses. Alors, là, pour l'instant, je parlais du code, mais merci en tout cas, Nasher, d'avoir relayé à fond l'info sur Mastodon, réseau que je vous conseille de rejoindre si vous en avez marre de Twitter ou pas forcément. Il y a une belle instance sur Ludosphère qui est très cool avec une bonne ambiance et tout. Et par contre, je ne sais pas si Nasher a aussi participer au, enfin, je sais plus, non, au code, je crois pas, mais en tout cas, une belle commu autour de Nasher, c'est cool. Et le tien veut vraiment pas apparaître, Dralkabur. Qu'est-ce que se passe-t-il? Est-ce que tu as bien pris le lien qu'on a donné ce soir, ou est-ce que tu es resté sur l'ancien lien? Parce que sur les liens des autres soirées, c'est pas tout à fait le même. C'est quoi ton perso, Dralkabur? Je remets le lien, vérifie. Et si, éventuellement, Dralkabur, si tu as un autre navigateur, peut-être que tu peux essayer sur un autre navigateur, quoi. Si vraiment il y a un souci. Ah, Drake, nous te voyons maintenant, mais ton personnage est offline. Donc si tu arrives à. Enfin, peut-être qu'il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Alors que Moruk nous rejoint, qui est sans doute Morus, qui est dans le chat. Ouais, non, c'est vrai que tu es bon apôtre, Nasher, c'est cool, merci bien. Donc j'en étais où à l'explication? Bah, aux fiches de personnage. Vous avez quelques stats, vous avez choisi au début si votre personnage allait être plutôt discipliné, adroit, résistant. Bon, notoirement, on sait bien que les Stormtroopers ne visent pas extrêmement bien, mais bon, vous ferez ce que vous pourrez. Vos stats sont sur 20 parce que le système simule un lancer d'un dé à 20 faces. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en gros, plus vous avez un score élevé dans une carac, plus vous êtes efficace dedans. Et quand on atteint 15 dans une carac, on obtient une étiquette particulière. Par exemple, avec ses 15 en rigueur, Alex D7 a l'attribut discipliné, qui peut me servir parfois. Vous verrez, il y a ici, on a un personnage Skylar qui a l'attribut adroit. Ça pourrait me servir. Si je veux prendre les personnages les plus adroits et leur faire faire une action particulière, je pourrais me servir de ça, par exemple. L'adresse, ça va représenter, bon, c'est assez évident, je pense, votre capacité de tir, mais pas que, hein, tout ce qui sera relatif au réflexe ou tout ce genre de choses, on utilisera l'adresse. La rigueur, alors vous êtes à la base dans une armée, hein, c'est en train de se déliter, on va jouer au moment où l'Alliance Rebelle a éclaté votre empire, et du coup, bon, bah. Non, ouais, attention, ouais. Ah oui. Eh oui. Je vois dans le chat qu'il y a eu petite méprise. C'est vrai que d'habitude, c'est point d'exclamation de join pour rejoindre. Mais en fait, je suis obligé d'avoir plusieurs serveurs distincts pour pouvoir gérer des parties en parallèle. Comme vu que celle-ci, elle va rester en mémoire, je lui ai fait son propre lien, point d'exclamation SW qui a été recopié aussi. Bravo. Donc c'est peut-être ça aussi le souci qu'il y a eu pour Dralkabur, faut vérifier. Est-ce que là on a ton perso? Oui, voilà, Stormdral. Nickel. Donc la rigueur, ça sera. Bah, on va utiliser ça de manière un peu générale. Bien sûr, on fera des tests globaux de discipline quand il y aura des actions collectives à faire pour voir si ça se passe bien. Mais à titre individuel, ça peut aussi représenter le fait que vous avez bien étudié vos manuels de Stormtrooper et que vous êtes. Bah, au point sur la loi impériale, ce qui est plus trop utile aujourd'hui, mais aussi au point sur bah, tout plein de manuels de survie. En gros, c'est le savoir, quoi, on va dire. Et résistance, ça va être bah, les capacités à endurer des efforts prolongés ou parfois à résister à certains dégâts. Et puis, pour ce qui n'est pas mentionné, on essaiera de trouver ce qui se rapproche le plus. Vous avez des points de vie qui représentent vos blessures, mais aussi votre épuisement. Arrivé à zéro, vous êtes capoute. Et les points de volonté, c'est plutôt la résistance morale, entre guillemets,
Si vous arrivez à zéro, votre personnage n'est pas mort, mais enfin, il s'enfuit, il déserte. Il va mener sa petite vie dans un coin. Et il veut autre chose, quoi. Et ensuite, on va parler un peu des tags et des étiquettes qui sont là-dessus. Vous avez chacun et chacune trois tags qui ont été tirés au sort. Parmi ceux-là, je vais montrer les tags possibles. La première catégorie, c'est votre rôle dans l'armée de l'Empire. Blaster, c'est vraiment le Stormtrooper classique qu'on voit le plus dans les films. Heavy, c'est une version, ceux qui ont des armes un peu plus lourdes, hein, genre lance-grenades, mitrailleuses à répétition, etc. Qui seront, bon, chacun a son avantage et chacun aura son utilité plus à un moment que d'autres. Le Heavy, donc, il est plus costaud en équipement, mais il peut être aussi plus lent, ce genre de choses. Scout, c'est ceux qu'on voit sur les speeders, là, qui ont des masques un peu différents et qui sont les éclaireurs, etc. Et les TCOS, ça peut être les pilotes et compagnie. Vous avez quand même tous une armure blanche, hein, mais les techs, ce sera ceux qui ont des compétences un peu particulières et plus rares, peut-être. Il y en a pas mal de techs, il y en a énormément de techs. En fait, il n'y a même pas. Bon, le système, bah après tout ce qui est système informatique, un aléatoire forcément biaisé, mais là, j'ai l'impression qu'on a une surreprésentation des Stormtroopers techniciens et techniciennes. Pourquoi pas, hein, c'est pas dramatique. Avec un peu de heavy, deux blasters et pas de scout. C'est dommage, avec tout le monde qu'il n'y ait pas de scout. Ah, un peu plus de monde. Est-ce que ça a rajouté un scout? Enfin, en tout cas, je vais saluer Alex, personnage technicien. Ah oui, ah oui, j'ai pas fini de tous les tags. Je finis ça et après je salue tout le monde. Beta, Delta, Gamma, c'est juste des groupes. Parfois, on aura besoin de séparer les groupes enfin, ça sera pas forcément très utile, mais en tout cas, il y a la section Beta, la section Delta, la section Gamma. Salut Maroud. Ah, tu viens du fait divers, un mastodontien, cool, ou une mastodontienne. Vous êtes l'équipe de SAV, ouais, c'est ça. Ok, bon, si tu peux pas rester, c'est pas très grave. C'est pas un souci, j'explique quand même tout le principe. Donc, ça aura donc un impact un peu limité. Et la catégorie 3, c'est quelque chose qui pourrait revenir sur le devant de la scène. Vous avez été embauché, mais on n'est pas à l'époque des clones, on est dans l'époque de l'empereur et tout. Enfin, maintenant, il est mort, mais on est à l'époque où les Stormtroopers sont recrutés dans la population habituelle. Et vous venez soit du tertiaire, soit des bureaux, soit des champs, soit du commerce, soit de la rue, vraiment, c'était la grosse galère. Soit d'un milieu industriel. Et ça, c'est vos métiers précédemment, quoi, vos vies d'avant, qui peuvent retrouver l'importance maintenant que bon, votre vie va un peu changer, votre employeur étant mort. Et peut-être que vos compétences d'avant pourraient faire parfois la différence. Donc, si jamais vous avez une idée qui fait appel à votre vie d'avant, n'hésitez pas, hein. Là, vous êtes dans la forêt d'Endor, donc ceux qui étaient dans les bureaux avant, je ne sais pas si ça va beaucoup les aider, mais. Surprenez-moi! On ne sait jamais. J'ai fabriqué mon fusil moi-même. Néganide, il est où ton perso? Bah, je vais tous les passer en revue rapidement. Alors, Alex Tekos, du groupe Delta, qui était paysan avant, est un personnage plutôt discipliné. Bunker Max Tekos, du groupe Beta, et vient du secteur du commerce et est un personnage extrêmement équilibré avec 10 partout. Cobra Tekos du groupe Gamma a quitté la vie de bureau pour rejoindre l'Empire et bon bah maintenant il va falloir peut-être retourner travailler sur Coruscant. Personnage équilibré. Lazier, personnage à arme lourde, donc tu t'es fait toi-même ton sniper. Ouais Drake, je te vois connecté. Ah non, je te vois plus connecté. Il me semblait t'avoir vu connecté tout à l'heure. Voilà, c'est bon Drake, t'es connecté. Ouais. Ah bah, du coup, je vais reprendre à toi. J'ai fini pour. J'étais en train de lire Lazier. Donc, tu t'es fait ton snipe, ok. Groupe Beta, tu viens des bureaux et tu es un personnage adroit. Drake, c'est un heavy du groupe Gamma qui vient du secteur commercial et qui est équilibré. Moruk, Tekos du groupe Delta qui a quitté le milieu industriel pour rejoindre l'armée et qui est plutôt résistant mais relativement équilibré quand même. Nasher, Tekos du groupe Beta a quitté le commerce pour la glorieuse armée impériale et est très endurant. Neganid, Heavy du groupe Gamma, secteur industriel,
adroit, assez adroit, avec ses 13. Oh bella ciao! Enfin, des Stormtroopers classiques avec leurs fusils blaster. On a besoin de ces gens-là pour assurer le gros du travail. Du groupe Beta, qui travaillait avant en usine et qui a une très bonne adresse. Audrey, pareil, blaster, groupe Delta, qui travaillait dans le commerce auparavant et qui est aussi un personnage adroit avec ses 13, mais relativement équilibré quand même, pas trop de... Vous voyez, quand on se spécialise, des fois, on a des scores très bas, hein, par exemple. 6 en résistance, c'est pas ouf, mais bon, on se débrouillera. Skylar Tekos du groupe Beta, qui a quitté le monde du commerce pour rejoindre l'Empire, qui est un personnage extrêmement adroit, puisqu'il en chope l'étiquette idoine. Stormdral Tekos du groupe Beta, qui est un des rares ex-paysans de ce groupe, et qui est un personnage équilibré. Et enfin, Troupois, un Heavy du groupe Gamma, qui... c'est Waya, ouais. Qui vient de la rue. Ah, bah, c'est le seul personnage qui a quitté... qui avait vraiment une vie... une vie de grosse galère. Enfin, peut-être qu'elle se débrouillait bien, je sais pas. Et ça lui aide, je vais recharger si t'as fait un perso. Attention, hein, faut bien prendre le... Je me remets le lien, parce que... Faut bien prendre le lien du jour pour recréer le personnage. Donc, Troupois, c'est un personnage... T'as hacké le jeu pour que ce soit le cas ou pas ? C'est un personnage d'arme lourde du groupe Gamma qui vient donc de la rue et qui a plutôt une bonne résistance. Je m'étais dit, tiens, Voya, ça va être triste si elle a pas un Heavy. Putain, Heavy. Secteur de combat de rue, ouais. Bam. Et donc, j'ai rechargé, il y a un personnage en plus qui doit être quelque part. C'est Bourinos, alias Ed, qui joue un Heavy du groupe Gamma, qui a connu la rue aussi. Vous êtes deux à venir de la rue. Et qui est un personnage adroit. Je pense que là, on est pas mal. Si ça continue à évoluer, c'est pas grave. Ah, Bourinos, là, ton personnage s'est déconnecté et il est reconnecté. Bon, t'as peut-être fait un déco-roco ou il y a eu un petit souci, mais tout est OK. Voilà, voilà. Je vais faire de la contrebande d'explosifs pour les terroristes. Je vais pas expliquer toutes les règles avant qu'on démarre, ce serait pas forcément utile. Vous allez voir que c'est de toute façon c'est assez basique. Juste un tout petit mot sur les rôles. Il y a deux rôles traditionnellement dans le jeu de rôle dans le système créé par Fibrotic à la base. Il y avait un rôle de leader et un rôle de traître. Enfin, ça influe sur les sondages. On verra après qu'on peut influer les décisions, le cours de l'histoire avec des sondages. Et il y a deux rôles que je peux attribuer plus ou moins au hasard de temps en temps, qui peuvent influer sur ces sondages. Là, j'ai mis le rôle de Storm Pusher, quand vous êtes des Stormtroopers. Donc, de temps en temps, il y aura quelqu'un qui aura le pouvoir d'exalter tout le groupe et de forcer complètement le choix dans un sondage. C'est un peu frustrant, donc on ne le joue pas trop. Et quand on l'utilise, on enlève le rôle, quoi. Si quelqu'un devient Storm Pusher et utilise son pouvoir pour imposer à toute l'équipe un choix, bah on fait sauter le rôle et puis il ne sera plus utilisé dans la soirée. On le fait en général pas plus d'une fois dans la soirée. J'ai mis le rôle de tacticien ou tacticienne aussi, qui sera un peu plus soft. Si jamais il y a un sondage avec 4 options, ce rôle-là peut juste supprimer une option. C'est moins méchant, sauf que attention, on peut voir les options évoluer au cours du temps, et donc on peut attendre que plein de gens aient voté pour un truc pour le faire sauter, ce qui n'est pas très sympa. Mais... donc pareil, hein, ça aussi, quand on l'utilise, je le fais sauter, mais c'est un peu moins violent quand même que Storm Pusher. Pour l'Empire. Ouais, voilà, j'ai essayé de chercher des saluts urchines, j'essaie de trouver des trucs qui collaient, mais... Alors, Haricot, est-ce que tu serais... je suppose que tu es Cobra, mais je ne sais pas. Donc si... Bon, j'ai à peu près repéré qui était qui. Je continue avec le... Bon, le tirage au sort, je ne vais pas y m'attarder, c'est juste pour tirer... Je peux tirer une ou plusieurs personnes au sort pour déclencher un événement. Le sondage, on les verra bien assez tôt. Et alors, j'utiliserai aussi fréquemment, très fréquemment, même les épreuves qui permettent juste de... Bah en fait, de tester vos stats pour voir si vous en sortez bien, tester votre adresse, rigueur, résistance. Et en cas d'échec ou de réussite, ça peut faire évoluer essentiellement vos stats de santé, de volonté, mais parfois faire évoluer vos grosses stats majeures, hein, adresse, rigueur, résistance. Et loot, ça sera pour donner des bonus à vos persos sous forme de choses qu'ils ont récupérées ou d'expériences qu'ils ont traversées. Hein. Ce n'est pas forcément du loot en tant qu'objet. Les tags, on les a vus. Et c'est tout. Bah, ah non, c'est pas tout.
Ah, mais c'est un peu relou. Il y a... Sur OBS, il y a un petit souci qui fait que parfois je dois reconfigurer la caméra des dés. Parce que j'utilise aussi des dés complémentaires qui sont reliés à une emote un peu dégueulasse que j'ai fait moi-même et que je ferai refaire plus tard. Bah, je vais essayer de reconfigurer ça. Hein. Hop. Hop. Je ne sais pas pourquoi. Ah là, ça a l'air bon. Voilà. Normalement, vous voyez le tapis rouge qui accueille les dés. On appelle ça des dés Fate ou des Fudge du nom pour lequel, du jeu de rôle pour lequel ça a été créé. C'est ça. Elle le fout. Elle se bourre une os. Tire sur les gens. Piou-piou-piou! Ne touche personne. Tout est normal. Ça va. Faut pas oublier de souffler ce soir. Ouais, mais maintenant vous pouvez aussi utiliser des emotes pour forcer la chance peut-être et espérer que ça aura le succès escompté. Je parle très vite de ces dés. Je m'en sers parfois pour faire des jets de chance entre guillemets pour voir si le sort vous est favorable ou pas quand quand je les tire. Bah là, par exemple, c'est bien qu'on les fait maintenant. Parce que quand je fais un triple moins, c'est qu'il vous arrive une catastrophe cataclysmique, quoi. Si je faisais un triple plus, c'est un truc super cool. Et entre les deux, on interprète, on voit, quoi. Voilà, bon, on est presque bon. Je vais juste préparer un petit petite ambiance sonore. Hop. Le volume, je vais ajuster le volume, hein, dès que je lance. Là, normalement, vous entendez encore rien. Voilà, là normalement vous avez un truc très léger. Dites-moi si vous voulez que je monte un tout petit peu ou c'est juste pour rappeler que vous êtes sur une lune forestière, mais on va pas faire très compliqué. Voilà. Et puis c'est bon. Ok, allez. Je crois que j'oublie rien. On va y aller et on va, comme je disais hein, dans certains messages ou quand j'ai annoncé la soirée, vous n'avez pas besoin de bien connaître Star Wars. On va faire assez simple. Si vous avez vu le retour du Jedi, c'est un tout petit plus quand même. Vous aurez vu les Ewoks, la bataille sur la lune d'Endor avec les méchants de l'Alliance Rebelle qui finalement parviennent à leur fin. Ces terroristes ont réussi à renverser l'empereur, à même tuer le seigneur Vador et ce genre de choses. C'est affreux, 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 affreux. Et vous voici perdus, sans chaîne de commandement. Vous avez échappé au massacre. Il vous semble bien avoir vu avec vos jumelles certains de vos camarades se faire manger par ces petites boules de poils natives de cette planète. Et là, ouais, on est au-delà de la simple perturbation dans la force. Là, c'est vous avez les fesses qui font bravo. Là, c'est dur. Là, ouais. Et c'est léger comme fond, ouais, mais c'est léger dans le sens c'est trop léger. Je monte un tout petit peu. Ah bon, c'est l'azur. Si ta seule connaissance de savoir, c'est mes streams et que ça te suffit. Enfin, si toi ça te suffit, moi j'ai pas d'exigence particulière de votre côté au niveau du lore. D'autant que je me permets volontiers de le tordre à mes besoins. Hop, j'ai un tout petit peu monté le volume. Dites-moi si c'est suffisant ou si je monte encore un petit peu. Alors ouais, alors la bataille s'est soldée, comme je disais, par un échec cuisant. Les plans étaient de surprendre les rebelles. Enfin bon, ça les a pas empêchés. A priori, ils sont aidés quand même par. Ils utilisent beaucoup la force. Hein, c'est un peu des fanatiques religieux qui ont réussi à tordre les lois de la physique à leur avantage. Ils ont un peu triché. Ils n'ont pas respecté les règles d'engagement classiques, mais du coup, ils ont gagné. Et en attendant que la justice puisse prévaloir à nouveau, bah vous êtes paumé, vous avez réussi. Vous faites partie de la 502e Légion, qui n'est pas spécialement connue. Vous avez été recruté. Bon, bah, tardivement, mais. Oui, ce sont des monstres et des terroristes. Ah oui, parce que Hariko voudrait adopter un Ewok. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. Non, là, vous n'arrivez plus à communiquer avec le Seigneur Vador, là. Ça répond, ça sonne dans le vide. Est-ce que les Ewoks passent bien au barbecue? C'est difficile de savoir parce que pour l'instant, vous êtes réfugiés. Il faut, ah, bien sûr, vous êtes tous et toutes de vaillants Stormtroopers.
Je précise au passage hein, que même si c'est une armée, comment dire, où il n'y a pas tellement autre chose que des humains, par contre, il y a des hommes et des femmes dedans, hein, donc vous pouvez incarner le personnage que vous voulez. Même si, d'après la princesse Leia, en général, ils sont plutôt grands, mais bon. Là encore, si vous voulez faire un petit Stormtrooper, Luke a montré que ça, c'était gérable. Donc je disais, ouais, vous avez combattu un petit peu, mais des petites escarmouches, parce qu'en fait, vous aviez été envoyé pour faire une sorte de tenaille. Vous aviez été envoyé un peu loin des combats principaux, ce qui fait que quand ça tournait court, vous n'étiez pas les plus exposés. Et comme vos ordres, les chaînes de commandement se sont écroulées, là, ça fait quelques jours, quelques nuits que vous vous êtes réfugié dans un coin discret avec une grotte pour vous mettre bien et tout. Mais il va falloir faire quelque chose là. Là, vous savez maintenant que vous vous doutez bien que l'Alliance Rebelle, enfin, qui se prétend maintenant la Nouvelle République, a pas grand-chose de spécial à faire sur Endor. Ils vont sans doute pas rester 1000 ans, mais bon, ça va quand même sans doute durer plusieurs semaines avant qu'ils s'en aillent. Et là, vous êtes pas très bien. Pour l'Empire! Les nounours sont méchants, c'est des hobbits cannibales. Ouais. Bah ouais, il y a un peu de ça, ouais. Hop. C'est quoi la rêve que pour la lampe d'hier? Ah oui, non, c'est juste qu'il continue à trafiquer les mots petit à petit, c'est tout, je pense. Ah non, il y a peut-être une rêve aux soirées de fiction interactive, mais je vais pas m'étendre. Donc, Fano, tu as fait un personnage ultra discipliné. C'est rigolo parce que j'ai mis discipline en me doutant que presque personne ne le prendrait. Et du coup, on va s'en servir un max. Non, enfin, je veux dire, on s'en servira comme d'hab. Je fais toujours des jets de coordination. Hein, donc. Fano, personnage Tekos du groupe Delta. Commerce, c'est cet avis d'avant. Hein, votre troisième tag, je dis ça si t'es arrivé il n'y a pas longtemps, je réexplique un peu. Le premier tag, c'est votre rôle dans l'armée. Le deuxième tag, c'est juste des groupes Beta, Gamma, Delta qui serviront peut-être de temps en temps, mais pas énormément. Et le troisième tag, c'est le rôle que vous aviez dans le civil avant de rejoindre l'armée impériale. Ok. Très bien. Après, oui, ça, certains ont. Oui, il peut y avoir des souhaits tout simples, hein, rentrer chez soi, ou rétablir l'Empire, ou devenir une troupe de mercenaires, ou je sais pas quoi. Il y aura certainement des opinions variées, mais avec le temps, on verra si un groupe spécial se dégage. Là, vous incarnez une quinzaine de Stormtroopers qui, dans votre groupe, sont les plus influents, les plus actifs, entre guillemets, ou les moins désespérés. Mais en vrai, il faut considérer que vous avez encore d'autres Stormtroopers avec vous qui vont suivre vos avis, qui vont vous accompagner. Ok. Bah, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, je crois que j'ai salué tout le monde. N'hésitez pas si je vous ai zappé, n'hésitez pas à vous remanifester. Donc, on va commencer, je pense, déjà par une soirée que vous faites où vous décidez, quelques-uns d'entre vous, on se sont dit, ok, demain, il faut qu'on fasse un truc. Vous prenez une soirée pour consommer les derniers trucs un peu cool de vos rations. Alors, je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à contenir un peu d'alcool ou quoi, mais vous faites dans votre camp de fortune, vous faites une dernière soirée durant laquelle vous essayez de vous remonter le moral à bloc. Et ça peut être l'occasion pour vos personnages, hein, on va utiliser pour ça le chat. Hein. Le chat, c'est votre espace d'expression, de roleplay. Certains l'ont déjà un peu fait. Hein. Donc vous pouvez vous en servir pour décrire ce que ferait votre personnage, ce que fait votre personnage. Durant une telle soirée de détente qui sera probablement la dernière avant une belle série d'épreuves. Donc, comment votre personnage s'amuse ou sociabilise ou je ne sais quoi. Et ensuite, on fera sans doute un sondage pour les actions à entreprendre le lendemain. Super, une pâte sans goût, miam. Ouais, il est probable que l'essentiel de vos rations soit pas super fun, mais bon. Néganide, ouais, tu camoufles le camp pour pas qu'on vous retrouve. C'est pas mal, effectivement. Je vais préparer un sondage.
Alors je disais hein, que vous étiez caché pour l'instant dans la forêt. Vous avez trouvé un coin où il y a non seulement une grotte pour pouvoir cacher le reste d'équipement que vous avez. Ah oui, d'ailleurs, vous avez avec vous ouais, tout ce qu'il vous faut comme. Enfin voilà, on va pas faire des gestions d'inventaire compliquées. On va considérer que tous ceux qui sont heavy, vous avez une arme un peu spéciale. Les autres, vous avez votre bon matos. L'avantage de ceux qui ne sont pas heavy, les blasters normaux ou les techs, c'est que votre équipement est plus facile à entretenir et à trouver. Pour les autres, il peut y avoir des défaillances plus facilement. Mais... C'est mieux la pilule bleue ou la pilule rouge? La détente. Alors, est-ce qu'on organise des quarts? Ouais, bonne question. Alors, d'une manière générale, comme vous êtes assez nombreux, oui, je pars du principe que vous avez toujours quand même quelques personnes qui gardent. Hein. Donc, on va faire simple là-dessus. Fano qui est dépité de voir tous ses compagnons aussi indisciplinés. C'est vrai que depuis que l'état-major a disparu, c'est pas la même qu'avant. Hein. C'est pas simple. Donc, ouais, vous faites un. Comme dit Bunker, vous faites un dernier inventaire avant de partir. Tac, tac, tac. Donc il y a une idée de chercher des postes de canon. Ok. Allons-y. Alors ouais, comme vous êtes dans un endroit un peu encaissé qui était évident, enfin évidemment plus efficace pour vous cacher, vous n'avez pas pris le temps encore de trouver un point haut pour un point en hauteur pour bien observer les environs et voir éventuellement. Différentes pistes. Donc je vais noter les différents choix qui s'offrent à nous. Drake nous parle de chercher un poste anti-aérien qui a servi pendant l'attaque d'Endor et qui aurait sûrement été détruit, mais dans lequel vous pourrez peut-être trouver du matos. Ouais. Je vais chercher une colline où grimper. Pour observer au loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme suggestion que vous pourriez en mettre au moins trois? Au moins un troisième choix peut-être qui vous viendrait en tête. Donc Negané, tu montes dans un arbre dans ton car pour sûr. Ouais, toi tu es en mode sniper, ouais. Donc okay. Ça, c'est pas évident parce que la forêt. Enfin la forêt est dense. Si elle est. Comment dire? Je vais mettre un peu des images. Hop. Je vais la chercher ailleurs, je ne l'ai pas sauvegardée au bon endroit. Faut imaginer Endor comme une forêt. Pas, c'est vrai qu'elle n'est pas excessivement dense, puisque les Stormtroopers dans le film avaient réussi à faire du speeder dedans. Donc il est vrai qu'il y a peut-être moyen pour un sniper de se rendre utile là-dedans. Ouais. Voya teste le fusil de Neganid, rate complètement l'arbre à 2 mètres. Ah ouais, ça a l'air de fonctionner. Et non, c'est fou, c'est fou. Attends, t'as vu, Nacher, vous êtes une quinzaine et il y a un des rôles, le scout, qui est pas sorti du tout. Ah, enfin, non, mais ouais, je l'avais eu sur mon personnage de test, mais il compte pas, quoi. Bon, tant pis, hein, c'est pas très grave, mais. On considère qu'il y a des scouts avec vous que vous pouvez envoyer à une mort certaine dès que vous avez besoin. Vous pouvez envoyer vos éclaireurs. Ah putain, il suit même plus les tours de garde comme Fanou l'avait écrit sur le tableau blanc. Alors, j'en étais au sondage. Ah, je croyais qu'il était mémorisé quand on passait d'une page à l'autre. Nice. C'est pas grave. Chercher un canon anti-aérien. Chercher un point d'observation en hauteur. Et est-ce qu'il y a une autre option ou pas? Après, s'il n'y en a que deux, on envoie le sondage juste là-dessus. Hein. Oh. On a Cobra qui construit des hamacs de son côté pour que tout le monde puisse bien dormir. C'est bon. Chercher un marcheur. Alors, ouais, chercher. Je vais mettre chercher du matériel lourd. Voilà. Voya qui finit en mode saucisson. Je pense qu'on peut y aller avec ça. Chercher les traces. Les traces de quoi? Juste des traces, d'une manière générale, pour mieux capter un peu ce qui se passe, quoi.
Allez, chercher des traces. Pour l'instant, je fais un sondage sans rôle spéciaux, et puis... Non! Non, dit Fano. Celui de camp n'est pas réglementaire! Alors allons-y. Sur votre fiche de perso, maintenant, pour les gens qui l'ont jamais testé, sur l'écran où vous avez votre personnage, le sondage va apparaître. Et... Alors je sais plus si sur votre écran... Ouais, c'est, par exemple, si je cache le sondage pour pas qu'on le voit... Est-ce que sur votre écran, je me rappelle plus si vous le voyez, l'évolution du pourcentage. Je vais pas le montrer tout de suite. Oh, quoi que si, là, il n'y a pas de rôle, de toute façon, de storm pusher ou de tacticien. Donc... Non, vous voyez pas, hein, ouais. Okay. Donc ça pourrait être bien peut-être de le cacher quand il y a des rôles en jeu, pour pas qu'on soit trop influencé. Là, je vais le montrer. On peut voir en temps réel l'évolution du vote. Donc là, on voit qu'il y a une majorité de personnes qui veulent chercher un pot d'observation en hauteur. Et qu'il y a quand même quelques personnes qui veulent d'autres issues. Dans certains cas, le groupe est obligé de suivre l'option qui a été sélectionnée. Dans d'autres cas, on peut partir du principe que il y a deux ou trois groupes qui se forment et que plusieurs options sont testées, quoi. Donc là, on revient à quelque chose d'assez égal pour les options secondaires, mais avec toujours une option principale qui s'en tire un peu mieux. Les avis sont bien partagés, ce qui peut permettre quand même de faire... on pourra faire des tests complémentaires pour les objectifs secondaires. Ça. Est-ce que... Fano qui a repéré des traces de bottes de Stormtrooper autour du camp pourrait peut-être valider un ordre de mission qui contient un objectif principal et des objectifs secondaires. Cela pourrait s'entendre. Quand on a 80% des votes qui sont exprimés, en général, on peut laisser quelques secondes pour les retardataires et puis boucler, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent être AFK pendant un moment, c'est pas bien grand, on va pas bloquer pour ça, quoi. D'autant qu'une option se dégage assez nettement. Oui, comme dit Dralkabur, en observant, vous pourrez plus facilement, de toute façon, repérer. Alors peut-être pas les petites traces dans les buissons, mais il y a d'autres choses que vous pourrez voir assez rapidement. Allons-y. Terminons. Et une fois qu'on l'a terminé, il reste sauvegardé. Je pourrais toujours le venir en cas de doute. On peut revenir dans l'onglet sondage pour revoir ce qui a été sélectionné. Nous allons donc chercher un point d'observation en hauteur. Et c'est avec après une nuit relativement reposante, même si vous avez fait quelques excès, dormi dans des hamacs un peu compliqués, mais bon, vous passez quand même globalement une bonne nuit. C'était plutôt plaisant pour vous d'essayer d'oublier un peu vos tracas pendant quelques heures, ça a fonctionné. Au petit matin, vous retrouvez le peu de discipline qui vous reste. Ah bah justement, on va faire un jet sans grandes conséquences. On va commencer par... Je vais montrer plusieurs notions. On va commencer par montrer le loot. Le loot, je peux m'en servir pour dire... une fête... revigorante, donc ça c'est quelque chose qui va apparaître sur vos fiches de perso, et je peux choisir que ça vous fait monter un peu votre volonté. Je peux l'appliquer à tout le monde, ou je pourrais le donner à certains types de personnages ou à une personne précise. Là, à tous les personnages, je vais mettre dans votre historique une fête revigorante qui vous a donné du peps, du moral, et je fais donner, et vous devriez le voir apparaître sur vos fiches instantanément, enfin avec quelques secondes de décalage. Hop, dites-moi si c'est ok, mais enfin, je ne me fais pas trop de soucis sur le fait que ça fonctionne. Normalement, c'est bon, voilà. Et ensuite, je vais mettre à l'épreuve votre rigueur pour voir à quel point vous arrivez à vous lever à 5h du matin. Enfin, peut-être pas à 5h, mais à l'équivalent de 6h30 du matin le lendemain. C'est quelque chose de normal. On va rester sur une difficulté normale. Donc, pour les personnes qui ont 12 en rigueur, par exemple, ça veut dire que vous avez 12 probabilités sur 20 de réussir votre jet. En cas d'échec, il ne se passera rien. En cas de réussite, on va rien mettre non plus. Juste pour voir un peu comment ça se passe. Là aussi, je pourrais limiter par type de tag ou par personnage. Allons-y. Bon, évidemment, Fano s'en tire bien, c'est le premier debout. Fano, toi, la fête t'a brisé le moral, mais tu te couches à l'heure tout de même. Ils m'ont empêché de dormir, ces barbares. Ça va. Heureusement, ça ne t'a pas empêché
de te lever aux aurores, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des coups de pied. Il y a des coups de pied en plastique qui se perdent dans quelques culs en plastoc. Non, je veux pas me réveiller. Oui, pour les ganites, c'est un peu difficile, ouais, entre autres. Fano est le premier debout car je suis rigoureusement silencieux. Mais toi, tu t'es bien levé aussi. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, comme dit Bourrinos, vous êtes une unité d'élite, bon, d'après vos propres critères. Donc le simple fait de se lever tôt ne devrait pas être une épreuve. Certes. Donc, on note les personnes qui se laissent déjà aller après quelques jours. Après quelques jours de perte de leurs généraux, déjà, c'est la débandade auprès de certains, mais heureusement, il y a toujours un petit groupe de vaillants et de vaillantes qui s'en sort bien. La petite séance de yoga, ouais. Fano, tu te dépêches de trouver notre chef d'escouade afin de balancer les indisciplinés. Je me rappelle que nous sommes tous livrés à nous-mêmes. Non ! Pour les petits chefs, là, c'est très perturbant cette phase. Aïe, aïe. Alors, on peut peut-être... Non, je mettrai les rôles plus tard. Pour l'instant, on va rester en mode classique. Vous aviez décidé, collectivement, de chercher un point d'observation plus élevé. Et c'est ce que vous faites en vous mettant en ordre de marche, tant bien que mal. Tant bien que mal, donc... Booker, Max, Drake... difficile pour certains. Hein. Audrey, Nasher aussi... C'est pas simple. Surtout, après tout, certains d'entre vous peuvent parfois se dire que ce sera peut-être plus simple d'attendre que l'Alliance Rebelle parte complètement. Sauf qu'il y a un risque. Si vous attendez que tous ces gens-là partent, vous risquez de vous retrouver sur la planète avec seulement des Ewoks autour de vous et plus aucun vaisseau. Quoi. Donc ça peut être un peu dangereux. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Fano, en attendant que tout le monde se lève, mène l'enquête au sujet des traces de bottes de Stormtrooper. certaines sont des traces de pied gauche, d'autres des traces de pied droit. Oui, finalement, effectivement, comme dit Alex, il va finir par être décoré son arrière-train. D'ailleurs, ouais, vous avez... alors, c'est peut-être pas encore trop le cas, parce que ça fait très peu de temps que vous êtes livré à vous-même, mais... Les customisations d'armure, vous sentez bien que ça va commencer à poindre, quoi. Il y a peut-être certains d'entre vous qui le font déjà un petit peu, mais... Je sais pas si vous avez vu la série Mandalorian, on retrouve des Stormtroopers quelques années après la chute de l'Empire, et certains ont des armures méconnaissables. Donc vous vous mettez en marche. Hop, hop. Non sans une certaine peur au ventre, parce que... Vous avez entendu hein, certains de vos camarades qui vous ont rejoint tardivement pendant la bataille, qui vous ont expliqué qu'ils ont vu des escouades de Stormtroopers en prise avec des Ewoks qui se sont fait laminer. Enfin, les Ewoks, vous-même précisément, en fait, vous en avez juste entendu parler, mais vous ne les avez pas croisés. Mais il semblerait que ce soit des êtres extrêmement féroces, assoiffés de sang, intouchables... quasiment invulnérable, c'est assez flippant quand même. De véritables croque-mitaines, des démons, comme dit Bourrinos. Ce serait donc pour Bunker des personnes à apparence humanoïde, intéressant. Est-ce que les Ewoks mettraient des bottes de Stormtrooper? Des sales bêtes avec de grandes dents, c'est très possible. Ouais, imaginez que ce soit des gens avec des mêmes gabarits que les Wookiees, putain. Donc vous cherchez une position défendable en hauteur. Alors, bah, dans un premier temps, vous remarquez, en trouvant d'abord des tout petits promontoires, vous repérez petit à petit des lieux qui vont être de plus en plus propices à votre avancée. Et vous repérez une bonne colline qui surplombe bien le reste de la forêt et qui dispose même de grands arbres qui pourront faire, pour les plus acrobates d'entre vous, un superbe poste d'observation. Donc vous repérez l'endroit dans lequel vous allez pouvoir vous approcher. Est-ce que ce sera le lieu idéal pour faire un camp de base? C'est encore difficile à dire, mais en tout cas, vous avez un objectif assez clair au premier temps.
S'ils peuvent saigner, la petite référence à Predator. S'ils peuvent saigner, alors on peut les tuer. Mais peuvent-ils saigner? Peuvent-ils saigner? C'est ça la grande question. Alors vous marchez des heures durant. Vous avez, dans votre matériel, vous avez quelques... Bah, comme vous n'avez pas de scout, on va dire que bon... Vous êtes quand même une bonne petite troupe, hein. On peut dire que vous êtes une quarantaine, allez, on va dire une quarantaine à évoluer, même une cinquantaine à évoluer tous ensemble. Comme je le disais, vous êtes les personnages majeurs de cette troupe, mais vous êtes plus nombreux que ça. Il y a des PNJ, des personnages non joueurs avec vous, d'autres Stormtroopers. Vous avez quelques speeders, là, les sortes de motos volantes, enfin, qui ne volent pas plus haut qu'un mètre du sol, hein, mais... Elle pourrait aller un peu plus haut, mais en tout cas, vous n'avez pas l'équivalent d'un vaisseau spatial pour l'instant. Vous avez quelques engins, mais qui sont pas au top au niveau carburant et compagnie. Enfin, il faut pas faire de folie avec, mais si jamais il y a besoin. La fille, le clonage. Vous n'êtes plus à... Peut-être que certains sont... Est-ce que c'est possible qu'il y ait des clones? Ils seraient un peu vieux, les clones. Ouais. Vous avez été recruté, hein, l'armée des clones. Bon, c'est un détail, c'est pas très important, mais... L'armée des clones a fait son temps. Maintenant, vous êtes des... Vous avez des armures identiques, hein, ce qui fait un peu clone, c'est vrai. Mais en dessous, vous êtes des gens qui ont des apparences tout à fait distinctes. Ça beatbox et laser. Moi, je pourrais pas beatboxer, malheureusement. Mais tidam, tidin, tidam. Mais on marche jamais 3 par 3. Voilà, vous avez des speeders qui speedent pas trop, c'est ça. Ok. Et alors, bah allons-y. Alors, comment... alors on a déjà fait un jet de rigueur, mais on y aura recours d'autres fois, parce que c'est ça aussi, c'est aussi la rigueur qui va vous servir un peu à... Bah, on le voit bien avec les justes remarques de Fano. C'est la rigueur et la discipline qui vous permettront de bien faire attention à des choses que vous n'avez pas beaucoup vécues personnellement, ou c'est vous qui étiez de l'autre côté de la barrière, mais tout ce qui est piège, embuscade et compagnie, c'est la rigueur qu'on utilisera pour... pas trop tomber dedans, mais bien sûr l'adresse et la résistance auront largement leur utilité aussi. Pourquoi diable parle-t-il d'embuscade et de piège? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, vous voyez une petite faune sympathique. Alors, il y a des bestioles classiques de très petite envergure que vous pouvez essayer de toucher. Ah, est-ce que vous voulez faire un peu de chasse sur le chemin? Ou est-ce que vous préférez rester focus? Parce que vous voyez des créatures terrestres qui pourraient peut-être vous alimenter un peu pour la suite du chemin. Mais vous voyez aussi des sortes d'oiseaux un peu costauds, un peu vénères. Ça pourrait être une piste. Chasser sur le chemin. Oui, on a faim. Ou non, restons sur l'objectif. On va faire un petit sondage très rapide. Voilà. Est-ce que quelqu'un sait imiter la femelle des Wank en rut? Ça va être difficile. Vous ne les avez pas encore rencontrés. Alors, est-ce que vous pouvez vous donner la main? Ah oui, c'est pour répondre à l'article 2, alinéa 8F, rappelé par Fano. Les déplacements en terrain forestier se font en rang, deux par deux, à 5 mètres les uns des autres. Coucou, coucou. Donc, pas de chasse. Hein? Un peu de chasse. Si c'est 50-50, on considérera que certains se laissent aller, enfin se laissent distancer pour chasser un peu, quitte à rattraper le reste du groupe plus tard. Quoi. La faim est une vision de l'esprit comme la douleur. Nous sommes une troupe d'élite. Ah, la faim l'emporte. Et finalement, non. Quel suspense. Prendre la chair, le gras, c'est la vie. On arrive bientôt aux 80%. Et on a 6 et 6. C'est pas les situations idéales, mais enfin encore que, bon, moitié-moitié, pourquoi pas. Enfin, nous, vote non, car selon l'article 47, alinéa 3, le ravitaillement en mission sera toujours géré par les supérieurs hiérarchiques, ou moins officiers. Ils ne sont plus là. Quel est l'article qui explique quoi faire en cas d'absence d'officier de ravitaillement? Le secteur logistique a été radicalement touché. Bon, eh bien, je pense qu'on va rester sur ce 50-50. Hein. J'attends quelques secondes, mais je pense qu'on va rester là.
Selon l'article 69-420, j'ai grave la dalle. Non, non, Bunker, tu fais pas du tout partie des gens qui ont pris du retard. Ok. Alors ouais, on va placer un... On va commencer à tirer un rôle, ouais. Nous sommes donc sur un 50-50, ce qui fait que le... Bah, vous formez une colonne qui s'étend un peu avec bah, une partie qui reste bien deux par deux espacée de 5 mètres, comme le veut la réglementation, et une autre partie derrière qui se met à s'écarter. Alors vous arrivez quand même, j'imagine que vous avez assez de matos pour ne pas vous paumer complètement, ce qui serait un peu ridicule, mais vous vous écartez un petit peu et puis vous usez de vos blasters pour shooter des bestiaux. Alors, les blasters, ça fait moins de bruit peut-être qu'une arme à feu costaud, mais enfin, ça fait un peu de bruit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça porte énormément, mais enfin... De rien, c'est la rue, alors c'est quoi ? Ah oui, vous avez Voya qui se rappelle de son époque pré-militaire. Je vais voir, je vais faire un tirage de tacticien ou de tacticienne. Ça tombe sur l'azur, écoute, on va commencer là-dessus. Donc pour rappel, ça donne un pouvoir pendant un sondage. Donc tu pourras l'utiliser quand tu veux l'azur. Et ça permet de supprimer une option de sondage. Et qu'est-ce qu'on disait ? Ouais, bah ouais, du coup ça chasse. Alors. Alors comme ça chasse, je vais faire un jet d'adresse générale. Hein. Le système a quand même ses limites. Hein. C'est difficile pour moi de... Bien que... Urshin, tu es en train de coder un truc qui pourrait servir dans ce cas précis. Là, j'aurais pu, dans une version ultérieure du moteur, j'aurais pu dire que les gens qui avaient voté pour le choix « Oui, on a faim » récolteraient une certaine étiquette particulière. Et à ce moment-là, j'aurais pu dire, bah maintenant, on va faire une épreuve d'adresse pour ceux qui ont cette étiquette. On a faim. C'est pas encore le cas, donc on va faire un jet d'adresse général, tranquille. Assez facile. Et puis c'est tout. Et on va voir un peu ce qui se passe de manière globale, quoi. Voilà. Allez, go. Et on a 6 victoires pour 8 défaites, ce qui veut dire que vous êtes en majorité, votre troupe est pas... Peut-être que vous avez peut-être fait sauter trop d'entraînement réglementaire avec ces quelques jours à vous terrer dans cette grotte. Vos réflexes ne sont plus aussi affûtés qu'auparavant. Piou 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 piou. Mon arme s'est enrayée. Ouais, c'est pas... Votre chasse n'est pas extrêmement... fruitful, mais bon... Bunker refuse de faire la chasse. Je fais grève. J'aime bien celui-ci là dans les... Où est-il ? Des petits emotes de Stormtrooper, celui qui charlie le feu marier. Donc ouais, vous récoltez quelques petites bestioles, mais la plupart vous les faites fuir en tirant trop tôt ou quoi. En plus, le soleil vous éblouit au moment de shooter, ce qui fait que vous ne touchez pas forcément les cibles que vous avez prévues. Attention au gaspillage de munitions. En temps de mission, ce qui me semble être le cas, ça peut être puni par une corvée de latrine de plusieurs jours et même d'une dégradation des récidives. Vous pouvez choper un blâme. Au bout de 30 blâmes... Est-ce que le règlement est comestible ? Allez savoir. Bon, on va quand même, on va dire que tout de même, parce que c'est pas énorme, non, c'est un peu vous mettre en place, hein, encore une fois, c'est pour ceux qui se sont arrêtés pour chasser, ont récupéré quand même 2-3 bestiaux, et on va dire que pour tout le monde, ça peut faire un petit point de vie en plus, là. Tout, 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 c'est bon. Voilà, sachant que ça vous a fait perdre un... Enfin, disons que vous devez cravacher pour rattraper les copains qui vous ont pas forcément beaucoup attendu, mais qui tout de même se sont assurés que vous restiez tous globalement sur votre objectif.
Et vous voici en approche de votre objectif, la fameuse colline. Et c'est là qu'on va faire un nouveau jet de rigueur. Qui est un peu difficile. Hop. De toute façon, on n'a plus de latrine. La chair fait... En fait, je suis sûr qu'il fait tout dans son armure. C'est très possible. C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Comment les Stormtroopers gèrent les poses. Bon, y a peut-être des récupérations comme dans nos astronautes actuels. Mais... Ça fait 3 jours que je chie au pied des arbres. Bunker ne peut chasser que les jours impairs. Bon, vous avez fait un jet de rigueur pas ouf. À quoi correspond ce jet de rigueur qui a tout de même été brillamment réussi par Brunos et Skylar? Ouais, on va voir si c'est mieux que la dernière fois ou pas. Mais... Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que la chasse vous a fait regagner en patate en général. C'est cool, quoi. Vous avez récupéré des vivres et tout. Donc, quand vous rejoignez vos potes, même si eux, ils ont préféré rester sous l'objectif, vous passez quand même un moment où à en parler, à échanger tout ça et tout. Mais disons que ça génère malheureusement une certaine perte de cohésion dans la structure de la colonne et puis la rigueur de l'observation, etc. Ce qui fait que malheureusement vous ne repérez pas à temps ce piège ces pièges qui emportent 6 de vos... Alors, on va pas mettre ça sur vous pour l'instant. Peut-être, allez, une personne parmi vous, mais sinon la plupart, ça va être vos PNJ accompagnateurs qui s'en prennent plein la gueule. Et parmi vous, allez, on va tirer une personne. C'est là... C'est Lazir, votre chef du moment, qui a été déclaré tacticien émérite, qui peut-être enflé de son rôle ou simplement en train de grignoter une cuisse de rongeur local, se prend une bûche dans la tête qui lui coûte 2 points de vie. Ah non, mais attends, je sais plus si on peut faire des loots qui suppriment. Si, bien sûr. Ouais. Bûche dans la tête. Point de vie 2, attention, il ne faut pas que je fasse à tout le monde. C'est pour votre chef temporaire qui est à 11 points de vie et qui passe, si tout va bien, si tout fonctionne bien, à 9. Chef, faut regarder, bon, on va, il n'y a pas un article là-dessus. Ah ouais, mais c'est votre chef qui passe pas tellement à cheval sur la réglementation, malheureusement. Alors, moi, on me dit de ne pas faire ses besoins de latrine dans les endroits qui ne gêneront pas les autres militaires. Oui, alors qu'il faut faire dans les latrines. Ah non, c'est parce que tu fais dans ton armure. Ah oui. L'article 65, alinéa 9, explique bien tout ça, d'accord. Ouais, donc, vous êtes en prise avec des pièges du type, alors pour ceux qui ont vu les films, vous les rappelez peut-être, sinon pour les autres, c'est des pièges assez classiques. En fait, on a des pièges du type néolithique qui se mettent en place avec des gens qui sont attrapés dans des filets, des rondins qui vous tombent dessus et qui éclatent la tête d'un Stormtrooper qui vous accompagne. Un de vos PNJ se fait éclater entre deux troncs. D'autres qui tombent dans des trous avec des pics. Là, c'est affreux, vraiment des méthodes barbares. Heureusement, un piège un peu défectueux blesse votre compagnon Lazur, mais sans le tuer, ça va. Mais quoi qu'il en soit, ça n'augure rien de bon. Hop. Et en fait, vous constatez avec horreur, alors je vous montre... que sur les restes d'un... Bon, le décor est pas parfait, mais enfin, imaginez-vous... imaginez-vous cette créature atroce, immonde.
en train de jouer du tam-tam sur un petit promontoire. Il y a une, sur, en haut d'un arbre, des planches forment une mini-cabane sur laquelle vous voyez une créature que vous supposez être un Ewok, d'après les descriptions qu'on vous en a fait. Même si celui-ci, ça semble être un bébé Ewok, il a l'air vraiment petit, et pas du tout de la taille d'un Wookiee. Mais... Et il joue sur du tam-tam sur le crâne, enfin sur le casque en tout cas, de compagnons d'infortune d'autres compagnies de Stormtroopers qui sans doute ont été dévorés dans un ragoût immonde. Et bon, bah, cette musique est peu encourageante parce que pour l'instant vous entendez juste des frémissements dans les feuilles par-ci par-là. Ça reste la seule créature que vous voyez, mais vous avez la désagréable sensation qu'il y en a sûrement d'autres qui ne sont pas loin. 500 noisettes à la personne qui brûle sa Simon 10. Furby. Et ça tire pour Negadid, Bunker. Saloperie de pourriture rebelle. Piu, 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 piu. On a retrouvé nos scouts. C'est vrai que... En voilà. L'azur se met à tirer dans tous les sens. Bon. La manœuvre 57 paraît être tout à fait à propos. Voyons voir si vous êtes des mauvais ou des bons Stormtroopers. Parce que, oui, rappelez-vous effectivement que le mauvais Stormtrooper, il vise, il tire. Bon, tandis que le bon Stormtrooper, il vise, il tire. Alors, nous allons faire un test d'adresse. Enfin, un test d'adresse destiné à mettre à contribution vos blasters. Alors pour Cobra, il y a une tentative de... Ah oui, c'est vrai qu'on devrait quand même faire un petit sondage avant de pouvoir caler le ratio de personnes. Bon, là, vous êtes un peu en mode surprise, donc il y en a qui vont tirer direct, mais... Je vais quand même faire un sondage rapide. Combattre ou parlementer ? Combattre, parlementer ou fuir. Enfin bon, j'imagine que... Vous ne mangez pas de ce pain-là, mais je ne sais pas, on ne sait jamais. Êtes-vous une légion qui va mettre au point de nouvelles tactiques militaires ? On voit Yak qui sort une grenade de sa poche. Tu vois bien que c'est une créature malsaine, il peut même sourire. Oh, c'est un drôle de sourire quand même. Non, on a bien fait de faire le sondage, parce que finalement, il y a quand même pas mal de... Pour l'instant, on n'a pas encore tous les votes, mais il y a quand même pas mal de suggestions pour la voie diplomatique. Et après tout, il est vrai que vous n'avez pas reçu encore de coups de feu, ou de flèches, ou de coups de blaster. Jamais, la tactique est écrite, point. Engagement. Bon, c'est quand même le combat qui l'emporte pour l'instant. On va voir si ça se... Ça reste assez serré, avec du 4-4-2. Il a des poils. C'est de la sorcellerie. Oui, c'est vrai que la discussion peut aussi avoir lieu après. Et la bonne cuisson pour un Ewok. Alors si leur langage est à base de bruit de tambour, peut-être que vous pourrez vous-même établir une discussion rythmique avec eux. Mais... Oui, non, bon, on est d'accord hein, que vous prenez des pièges, ils tapent sur des casques de vos congénères. Bon. Il est vrai que ça pourrait se justifier hein, que de vouloir combattre. Bah, je crois qu'on va bientôt... Ouais, on va s'arrêter là, je pense qu'on est autour de 80%. Voilà, ça entérine un peu plus le choix du combat. Je laisse encore une dizaine de secondes et puis on va valider ça. Il y a eu quelques personnes qui, ouais, entre autres Dralkabur, qui se dit que peut-être il vaudrait mieux fuir. Bah, après tout, c'est vrai qu'avec les récits, les comptes rendus de bataille que vous avez eus, ça semble être très dangereux de combattre des Ewoks. Hein. Pendant que Fano se demande avec l'azur si... s'il faut utiliser la méthode 72, 85 ou 98. Chargé.
Si, ah oui, j'ai baissé le volume, mais une bonne charge. Alors attends, donc on a... Bah, en fait, ce qui se passe, là, par contre, on va pas trop pouvoir faire deux options. C'est juste qu'il y en a certains qui commencent à essayer peut-être de discuter, hein, genre Cobra ou d'autres. Mais les tentatives de négociation sont vite recouvertes par le bruit des blasters de vos camarades. Ceux qui voulaient peut-être fuir vont peut-être commencer par se jeter à terre et puis quand même finir par sortir leurs armes et participer à la baston. Mais tôt ou tard, tout le monde va finir par devoir y participer. J'en ai peur. Et c'est parti pour un jet d'adresse qui va concerner tout le monde. Est-il cauchemardesque? Bon, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas, pour une raison... Quand vous vous entraînez sur des cibles à l'académie, ça se passe très bien. Quand vous tirez sur Tatooine, sur les chenilles d'un sandcrawler de Jawa, ça se passe très bien, vous visez très précisément, à tel point que même quelqu'un comme Obi-Wan serait capable de le reconnaître. Mais quand il s'agit de combattre des Ewoks. En fait, c'est peut-être simplement parce qu'ils ressemblent un peu à la forêt. Hein. Et en fait, c'est ça. Ben oui, mais évidemment. Leur fourrure fait qu'ils sont très, très faciles. Il est très facile pour eux de se fondre. De se fondre dans la nature. Après, bien sûr, oui, vous êtes en tout une... Bah, 50 moins... vous en avez perdu à peu près 5. Bon, vous êtes environ 45 en tout. Mais bon... Déjà, vous allez un peu avoir le mal à toucher. Ceux qui vous accompagnent, qui sont un peu moins bons que vous, c'est pas qu'ils comptent pour du beurre. Mais... Et puis, il y a quand même, vous avez du mal à évaluer le nombre d'Ewoks qui sont autour de vous. Hein. On dirait qu'il y en a pas mal, quand même. Mais vous avez l'air quand même plus nombreux. Drake, tu es de retour pour un moment où votre escouade, enfin, c'est plus gros qu'une escouade, mais votre équipe se fait attaquer par des Ewoks. Vous avez été tombé dans une embuscade. Certains d'entre vous, des PNJ, hein, sont morts dans des pièges. Lazur, votre compagnon Lazur, s'est pris une bonne bûche sur la tête et a perdu 2 points de vie tout de même. Et là, bah, vous allez combattre contre ces créatures. Allons-y. Pour qui réussit, on va gagner un point de volonté. Et pour qui rate, on va perdre un point de santé. Vous vous rendez vite compte que c'est difficile. Hein, donc quelqu'un qui arrive à toucher, c'est un bon boost au moral déjà. Bon, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment difficile. C'est une occasion aussi d'expliquer les niveaux de difficulté. J'ai mis un test ardu. C'est-à-dire difficulté de 6. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a par exemple 10 en adresse, on n'a plus que 4 chances sur 20 de toucher. Donc c'est difficile, c'est difficile. Bon, il n'en reste pas moins que on en aurait attendu mieux de la part de gens comme Lazier ou Bella Ciao ou Neganin. Vous qui... Ah, Skyler avec ses 15. Tous ces gens qui, pendant les entraînements, étaient au taquet. Là, et là ça ne marche pas. Bon, après, vous venez de vous prendre une attaque surprise... On peut comprendre, hein. Le stress joue. Vous avez quelques grenades et compagnie, ouais, vous avez des vies avec vous qui ont un peu plus de matos, donc ça va pouvoir vous aider. Mais attention, vous n'aurez pas des munitions infinies pour ce genre de choses. Tir d'artillerie, je vous avais dit, c'est à cause des lucioles. Bon, donc il y a des quelques points de vie qui se sont envolés, mais rien de dramatique pour l'instant, tout le monde est encore relativement en forme. Et en fait, pourquoi vous avez perdu des points de vie, c'est parce que, bah, bien sûr, quand vous commencez à tirer, vous avez des flèches, d'autres pièges qui se déclenchent, des sortes de mini-catapultes, vous recevez des boulets de pierre, des flèches, des lances et tout ça. Alors, ce qui paraît, quand même, vos armures vous protègent bien de ce type d'armes, mais malheureusement, parfois, ils arrivent à rentrer dans les jointures et à vous blesser tout de même, hein. Ils sont vraiment impressionnants, ces Ewoks, très difficiles à toucher. Mais Bunker Max sauve l'honneur en touchant un Ewok qui tombe en arrière. Et à ce moment-là, c'est presque comme si vous entendiez une espèce de musique triste et avec des Ewoks qui viennent se regrouper autour pour le pleurer et le ramener dans les buissons.
Pendant quelques secondes, Bunker regrette presque son geste. Puis après, tu te ressaisis. Mais enfin ! Et c'est le moment pour les grenades. Un attroupement ! Grenades sur ceux qui soignent les blessés. Oh là là. Donc, d'après Fano, votre garant des réglementations, explique que la procédure indique qu'en cas de tir de projectile, seul... Une moitié de la troupe doit rester à découvert sans bouger, tel des abrutis. Les autres doivent se mettre à couvert. C'est vrai. C'est vrai que votre... Vous n'avez pas du tout l'obligation, au contraire, de vous montrer efficace au combat. Ewok, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc toi, tu continues... Cobra, essaie d'apaiser les tensions, ce qui va être assez compliqué. C'est des barbares. Donc c'est reparti pour une tentative de baston. Alors là, on va rester... On va faire jouer peut-être cette fois-ci... est-ce qu'on fait jouer la résistance? Non, pas encore. On va peut-être rester un peu sur l'adresse. Je sais pas. Non, résistance, c'est pas mal, parce qu'on appelle ça aussi parfois les armes défensives. Certaines grenades sont... Enfin, il y a des grenades offensives ou défensives, suivant la portée... qu'elles mettent en jeu, etc. Mais on va dire que vous avez fait une première attaque qui était une réaction à votre embuscade. Et on va faire un jet de résistance qui représente la façon dont vous arrivez à vous entrench, quoi, à vous retrancher et à vous poster pour un combat qui pourrait durer peut-être plusieurs minutes. Donc vous mettez à couvert et compagnie. Donc, et c'est là que vous allez pouvoir en balancer des grenades pour non seulement faire des dégâts chez les adversaires, mais aussi les forcer à se mettre à couvert pour que vous puissiez vous mettre dans une meilleure position. C'est aussi des tirs de quelque part de suppression. Et là, ça va être... Bon, on va faire un jet normal, on va pas faire à chaque fois des... Ou peut-être... peut-être difficile quand même. Mais par contre, est-ce que je vais faire perdre... Ah, ici, on va juste perdre de la volonté si ça rate. Et voilà. Allez, go. Bon, on est toujours sur une majorité de défaites par rapport aux victoires, mais c'est pas non plus un échec cuisant. Piou, 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 boum, boum. Ah ouais, pour Cobra, son rêve, c'est vraiment d'adopter un Ewok. Alors, est-ce qu'il faut vraiment lever son majeur en signe de paix? On peut se tenter. Donc vous avez voilà, l'équipe feu et l'équipe choc qui se succèdent. Ouais. Fano lève l'index en lisant le règlement de gestion de prisonniers. Un être intelligent capturé doit forcément être emprisonné dans une cellule adaptée afin de juger de sa destination finale. Je me fais avoir à chaque fois, dit Dralkabur. Ouais, mais là, alors là vous perdez un petit peu de... Fais voir, Dral. Tu perds un tout petit peu de volonté. Ça va, c'est encore gérable. Le majeur. Très bien. Donc, bon, comme je disais, c'est ni une réussite franche, ni la Bérésina. Donc, vous limitez la casse. Vous arrivez à vous placer... vous êtes quand même entouré, quoi. Vous êtes quand même encerclé. Mais comme vous êtes plus d'une quarantaine, vous arrivez à vous établir un petit... un petit cercle de protection qui permettra de vous mettre dans une situation moins défavorable et qui vous permet de vous rendre compte assez vite que quand même ils vous ont encerclé, certes, ils ont l'avantage de la surprise, mais je vais quand même faire un jet de rigueur pour voir à quel point je peux vous donner des infos. Rigueur normale, sans bonus malus. Voilà, belle victoire là. Joli. Pourtant, rigueur, c'est pas votre gros point fort, mais c'est une belle réussite. Qui permet de vous ressaisir un petit peu et vous apercevoir qu'en fait ils sont pas nombreux, ces Ewok. Ils sont bien placés, ils ont l'avantage de la surprise, des pièges et de l'encerclement, mais vous avez l'air d'être plus nombreux qu'eux et peut-être même bien deux fois plus nombreux. Ah oui, Drell, t'as encore bon, c'est pas grave, il n'y avait pas de point de malus là. Avec ton 9 à rigueur, ça n'a pas suffi. Ouais, bon. Tu tires en l'air, l'aléatoire fonctionnera mieux peut-être. Alors, hop. Alors, je vais voir si j'ai raté des messages importants, redites-moi, mais...
Est-ce que le. Elles sont-ils vraiment super mignons? Bon, Cobra, votre appréciation de nos adversaires est particulièrement louche. Alors, ah, le mariage avec la gobeline, c'est vieux ça. Donc, on en est où? Au fait que c'est à vous de me dire si vous avez un plan particulier pour la suite. Maintenant que vous vous rendez compte que vous êtes, on va dire, deux fois plus nombreux, vous les estimez à une vingtaine en face, ils vous encerclent, ils sont durs à toucher parce qu'ils se confondent bien dans la forêt. Et puis, bon, ils sont chez eux, quoi. Mais clairement, à 40-45 contre une vingtaine, il y a peut-être un truc à faire, mais... Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous leur offrez un soldat en offrande. C'est vrai que vous avez plus d'une vingtaine de PNJ à consommer. Mais... On va piétiner leur petite frimousse à coups de bottes tant que ça n'aura pas la consistance d'un chip parmentier cuit au micro-ondes. Bunker regarde Fano pour voir ce qu'il faut marquer dans le guide. La chair propose d'envoyer les plus résistants pour charger. D'un point de vue règle, je pourrais sortir ceux qui ont au moins 15. Je peux les sortir facilement. Mais en fait, comme il n'y en a qu'un seul... Non, il n'y en a même pas du tout, en fait. On a un personnage particulièrement adroit. Un personnage particulièrement discipliné. Mais on n'a pas d'étiquette résistant. Bon, après, on se débrouillera toujours. Hein. Il est logique que mes tirs fassent rarement mouche, me dit Fano. Je surveille pour que le règlement soit respecté plutôt que visé. Supérieur à 10, serait pas mal. Ouais, mais je peux pas... Attends, à moins que ça ait été modifié, mais non. Je peux pas faire une épreuve en disant on prend que ceux qui sont supérieurs à 10, quoi. Ça serait cool, mais... Alors... Donc, est-ce qu'il y a de quoi matière à faire un sondage ou pas? Pour l'instant... Est-ce que... Alors, j'ai vu du... offrir un soldat en offrande. Ah, après, on peut faire un sondage là-dessus. C'est pas mal, quand même. Nous sommes plus nombreux. Donc, on charge et on les piétine. On leur offre... un soldat... en échange de la liberté... Où on se rend. Peut-être pour se révolter plus tard. Hein. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous rendre en faisant semblant, entre guillemets. Mais je veux dire, bon, c'est une possibilité parmi d'autres. Quoi. Charger dans des ganides veut plutôt charger. Bon, on va voir. Hein. Un soldat, ouais, entre parenthèses, mais PNJ, bien sûr. Hein. Je vous précise au cas où. Est-ce qu'on reste sur ces trois choix? Ça me semble pas mal. La violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Ou alors fait tomber un arbre, ça je le mets sur le... Dans le on les piétine, ouais. Allez, go. En cas de supériorité numérique d'un ennemi n'ayant aucun intérêt physique en tant qu'esclave, son exécution totale est préconisée par l'Empire. Article 29, alinéa 8. Donc nous sommes sur un sondage pour lequel éventuellement l'Azur aurait la possibilité d'utiliser son pouvoir de tacticien qui disparaîtrait pour le reste de la soirée. Pour l'instant on est sur un piétinement. Hein. Si c'est le guide qui le dit, plus le choix. Alors ok, votre tacticien l'Azur interdit l'option de se rendre. Il explique peut-être qu'avec tous les comptes rendus de cannibalisme, enfin pas de cannibalisme, mais en tout cas d'anthropophagie que vous avez entendu, ce serait sans doute peu prudent de se laisser capturer par ces Ewoks. Se rendre, comment ça? Non, mais on a 85% pour le hachis parmentier de peluche, donc je pense que... Pour l'Empire! Ouais, c'est ça, je pensais à ça, Fano. Bientôt, on va pouvoir faire un... On va pouvoir rédiger tout un règlement. C'est pas mal. Ok. Allons-y. Alors, on va peut-être pas faire 40 000 G qui se ressemblent. On va faire...
Allez, pour une fois, je vais vous laisser le choix. Si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on règle ça sur un jet d'adresse ou sur un jet de chance avec les dés blancs? Allez, on se fait à l'adresse. Ah, l'azur est pour les dés. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui va départager? Oui, je dis adresse, ça peut être autre chose, mais bah disons que. Oui, on va voir après. Ouais. Un jet de stats, un test de stats ou un jet de dés. Donc t'es plutôt aussi pour le test. Ouais. On peut être sur de la résistance, puisque là vous allez être en mode charge avec certains qui vont peut-être prendre des bûches, enfin des branches pour taper. Fano précise que toute relation amicale ou plus avec une espèce extraterrestre est sévèrement punie. La suprématie de l'humain est la première règle du règlement. Alors c'est vrai que l'Empire est plutôt. Après, c'est pas la Terre, mais bon, il y a un peu cette idée-là quand même. Bon, bah allons-y, allez, go pour une épreuve de résistance. Mais on pourra quand même faire un petit complément. Ce sera le test qui va jouer le plus. Mais on pourra quand même faire un jet de chance pour agrémenter les résultats. Allons-y. Alors vous êtes requinqué parce qu'on va le mettre en assez facile parce que maintenant vous rendez compte de votre supériorité numérique. Et supériorité éthique, bien sûr. En cas d'échec, ah, c'est une charge, hein, donc en cas d'échec, quand même, vous perdez un point de santé. En cas de réussite, un point de volonté. Enfin, à force de faire bouger, on va faire dans ce sens-là. En cas d'échec, vous perdez deux points de volonté. En cas de réussite, un point. On va pas faire à chaque fois des points de vie, sinon ça va être compliqué. C'est pour tout le monde, c'est un jet de résistance assez facile avec un bonus de 2 à votre stat. Donc Bunker Max par exemple va le faire avec 12 points. C'est parti. Et c'est un des meilleurs jets collectifs que vous avez fait jusque-là, sans être flambant, mais on est sur du 50-50. Avec Drake qui s'en sort pas très bien, Fano qui était peut-être trop occupé à lire le règlement pour charger correctement. Moruk, Nashir, Negani, Bella Ciao ont un peu de mal aussi, tout comme Troubois. Les autres s'en tirent particulièrement bien. Alors pour Cobra, bien sûr, ça ne veut pas dire forcément si ton personnage veut rester pacifique dans cette baston. Ça veut simplement dire au moins que tu évites les que tu évites les dégâts collatéraux. Mais. Oui, Neganid, ouais, son tir, c'est plutôt le tir. Et Dral a enfin réussi. C'est ça, joli, bravo, ouf. Ce qui te fait 2 points de volonté en un point de volonté en plus. Piu-piu-piu! Mais bien cette fois. Donc là, ouais, vous êtes en folie. Alors, vous en touchez pas tant que ça, mais vous arrivez à les faire fuir en tout cas. Vous arrivez à les faire fuir. Et il y en a quand même quelques-uns qui ont été touchés, hein, mais. Vous n'êtes pas sûr d'en avoir vraiment tué, parce qu'à chaque fois, les autres Ewoks les récupèrent, et pour l'instant, vous n'avez pas réussi à capturer d'Ewoks. Mais. Après, il y a celui qui est en haut, en hauteur, en train de taper sur des casques, qui est toujours là-haut, qui continue à taper, d'ailleurs, hein, poum poum poum. L'Ewok s'est fichu de moi quand je l'ai menacé avec le règlement des pratiques sanitaires en terrain désertique plutôt que le blaster. Bourrinos les insulte. Il n'y a rien à faire à la grenade, ça marche mieux. Et ouais. Bon, en tout cas, vous les avez eu. Est-ce que vous les. On fait un sondage rapide. Ewok en fuite. On reprend la route. On les pourchasse très rapidement. Ah, j'ai. Non, je vais destituer quand même le rôle de tacticien. Même si, bon, il n'y a pas eu d'abus dessus, c'était pas un choix très frustrant que tu as fait. Mais. Ewok en fuite. Donc, reprendre la route ou les pourchasser. Voilà. Du sang! Du sang! On estime, sur le rapport, on estime les pertes ennemies à 120. Les rapports risquent d'être un peu contradictoires, mais. Est-ce que c'est une vraie question? Ils vont chercher des renforts. Donc, ouais, il y en a cher quand même. Bah, bien sûr, vos personnages peuvent s'exprimer de cette façon-là. Vous pouvez influer les sondages, bien sûr, en vous exprimant dans le chat, hein, c'est sûr. Si vous pensez que c'est dangereux de les pourchasser, n'hésitez pas à le dire.
Pour l'instant, il y en a quand même quelques-uns qui ont envie de manger de l'Evox ce soir ou de les apprivoiser, je sais pas. Mais il y a une grosse tendance. Waouh, wow. Ah, je pensais pas que ça serait à ce point-là. C'est rigolo. Alors, des renforts, quel type de renforts? Des renforts Ewok ou ça, est-ce qu'il vaut mieux combattre des Ewok? Ou. Fano, article 14 alinéa 8. En cas de fuite d'un ennemi, le suivre bêtement pour tomber dans un grossier piège est obligatoire! C'est vrai que vous vous comportez vachement comme des Stormtroopers là, c'est génial, c'est bien. C'est parfait. Bon, on peut valider ça, je pense. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas remonter au-dessus du 7. Mais... Nous devons suivre le guide. Ouais, pour bunker, sans doute des pièges, mais ne les laissez pas s'enfuir. Donc faut, voilà, vous allez pourchasser, mais avec prudence. Ce qui est compliqué parce que, comme eux, ils sont à l'aise sur le terrain, pour vraiment les rattraper, il faudrait faire fi de toute sécurité. Mais... Écoutez cette Ewok qui joue du tam-tam, ça n'a pas envie de danser. Cobra qui essaie d'être pragmatique et de tirer le meilleur parti de la situation. Alors c'est vrai que l'Ewok bah, qui joue du tam-tam, alors il voit que vous commencez à pourchasser ses potes. Qui, alors n'oubliez pas qu'il vous encerclait, donc vous avez, vous, votre cercle, c'est... Enfin, vous étiez plus nombreux, donc vous avez réussi à charger un peu dans plusieurs directions. Mais du coup, c'est pas très net. Alors, vous constatez quand même qu'il y a un groupe plus gros qui se dirige dans une direction précise. Donc, vous prenez une direction quand vous ne séparez pas votre groupe, ça serait catastrophique. Donc, vous allez dans une direction, mais quelques autres Ewoks sont partis dans d'autres directions. Celui qui était avec les tam-tams, vous voyez, improvise un slam dessus. Ah ouais, vous avez des motos de l'espace. Vous pouvez envoyer vos motards, ouais, tout à fait. Celui qui est sûr, qui joue du tam-tam, ouais, il joue quelques notes différentes pendant un instant, qui est peut-être qu'il bat la retraite, c'est possible, ou qu'il appelle des renforts, vous savez pas trop. Mais par contre, au bout d'un moment, il lâche son poste et en fait, il commence à bouger de liane en liane et à grande allure, il s'éloigne. Ok, bah, allez, on va utiliser, je l'ai pas fait encore les dés, on va les faire maintenant. Comme c'est des PNJ, c'est pas vous les scouts. Sur les marrons chauds, hein, c'est ça. Nous allons lancer les dés pour voir comment se débrouillent vos compères avec leur moto. C'est la fate. Ah bon, c'est pas une énorme catastrophe, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc vous envoyez, vous en avez trois, on va dire que vous en avez trois. Vous envoyez trois speeders et en fait bah ça quand même, vu qu'on n'a pas fait de gros fumble, ça vous permet quand même de garder plus facilement la trace des Ewoks. C'est pas inutile, hein, c'est bien, c'est déjà bien. Par contre, il y en a un qui finit quand même par se faire prendre dans un filet et il a une telle vélocité quand il arrive qu'il se prend en... Il part avec le filet qui s'arrache des murs et ça l'envoie valdinguer. Mais par chance, comme c'est juste un seul moins, vous avez l'impression qu'il s'est foutu dans des fourrés, mais sans exploser, quoi. Est-ce que le scout est encore en vie? Vous ne savez pas, mais vous espérez surtout que la moto est encore en état de marche. Ok. Alors... Donc, bon, en tout cas, vous recevez, on garde le bonus que ceux qui ont réussi à pas se faire choper vous donnent des indications et que vous arrivez à correctement poursuivre vos ex-assaillants. Et vous arrivez à un spot où il semble avoir fait un petit camp. Alors, ça veut dire que vous trouvez d'autres Ewoks, c'est vrai, mais pas beaucoup plus. Et ils sont autour... D'un AT-ST ou d'un TRTT, suivant la version que vous connaissez. En tout cas, les bipèdes, vous savez, ces bipèdes métalliques qui appartiennent à votre armée. Je vous mets l'image hein, pour les personnes qui connaîtraient moins ou qui veulent se rafraîchir la mémoire. C'est fou, j'étais persuadé d'avoir récupéré cette image. Et... Où est-elle? De toute façon, je le trouverai facilement. Le classique.
El Classico. Hop. Hop. Vous voyez? Donc, vous voyez pas les pilotes. Enfin, c'est vraiment un truc qui est à l'arrêt, hein, qui est même tombé par terre, quoi. Mais les Ewoks se sont installés autour, alors peut-être soit pour le désosser, soit pour le profaner, soit pour en faire une cabane, vous ne savez pas trop, mais ils sont autour. Mais il y a une bonne dizaine d'Ewoks qui étaient par là, quoi. Donc, ce qui peut réévaluer un peu le rapport de force, mais... Alors, je reviens dans le chat. Ouais, vous êtes tellement nombreux en Técosse que vous arrivez à le réparer facilement si vous le chopez, bien sûr. Mais... Depuis quand le repas de ce soir est également voleur? Alors, ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que. Alors, on va pas faire, évidemment, comme vous êtes des Stormtroopers, comme on dit, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Il est évident qu'avec vos blasters, c'est un peu logique que ça finisse souvent en baston, et c'est normal, il n'y a pas de souci. Vous allez continuer à tirer et à rater plein de cibles, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour pas faire toujours tout de la même façon au niveau du système, qui de toute façon est un peu limité, ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste essayer de m'indiquer quelles sont, bah, indiquez-moi des tactiques, entre guillemets, des approches, et puis on va essentialiser l'action peut-être un peu autrement, quoi. Donc, en égalité, c'est assez simple, je tire. Pourquoi pas? De toute façon, tant que vous êtes aux prises avec les Ewoks, peut-être que c'est la seule solution. Frappez les clous avec notre blaster. Frappez les clous. Je vérifie si j'ai pas raté des messages importants. Est-ce que tu penses, Fano, que les Ewoks ont aussi leur propre règlement? C'est pas mal, c'est pas mal. Tactique pour Ed, on fonce dans le tas, ils sont en fuite, surpris, petit, moche, donc on a le dessus. Pour Negani, ouais, l'important c'est d'essayer d'éviter d'abîmer la machine. Ouais. Cobra retire son armure et avance les bras en croix. Et pour Waya, c'est un coup de grenade, quitte à, après, en supposant peut-être que la TAT sera capable d'y résister. Ça va, on a les. Est-ce que Nasher, ouais, t'es aussi en mode. Hop, 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 il est où ton perso? Non, t'es pas un heavy, mais tu as volontiers recours aussi aux méthodes lourdes. Vous avez votre sacrifice, ça y est. Face à un ennemi inférieur en nombre, se placer 4 par 4, seule la première ligne ouvrant le feu afin d'être certain de ne pas avoir le dessus sur l'ennemi. Technique de la loutre, je me glisse derrière Fano discrètement pour être en sécurité avec le guide. Ok, bon, bah. Ouais, alors, bah, on peut tester ça. Peut-être après tout, il y a l'un d'entre vous qui. Quand même, il y a deux facteurs qui permettent de gérer ça de manière un peu inhabituelle. C'est que, premièrement, vous là pour l'instant, vous arrivez en position entre guillemets de force, puisque vous êtes en train de pourchasser des fuyards quand même. Qui ont été blessés, enfin vous en avez éliminé plusieurs en face qui sont en état de combattre. Donc il y a ce petit plus, et vous avez l'un d'entre vous, Cobra, qui s'avance sans armes et sans armure pour essayer d'initier peut-être autre chose, pendant que les autres sont quand même prêts à shooter. Hein, ouais. On a Negani des Waya qui était chaud. Ben on va tenter, on va voir, on va voir. On va faire un G pour Cobra. Alors, ça serait quoi? Bon, ça va être un G de. Le plus proche à nous, tout ce qui est social et ce qui n'est pas de la baston, ça va être un G de rigueur, quoi. Mais. Qui va être. Alors, comme il n'a pas d'armes et pas d'armure, ça va être augmenté, facilité de 2 niveaux. Et c'est pour Cobra. Avec en cas d'échec. Une immense perte de morale. Bon, je vais quand même mettre 2. On part sur une potentielle campagne, donc je vais pas faire des grosses chutes. Grosses chutes. En cas de réussite, parfois sur les trucs vraiment, les actions vraiment fortes, je peux augmenter parfois l'adresse, la rigueur ou la résistance. Mais là, en cas de réussite, on va. Bon, 2 et 2, voilà. 2 en plus ou 2 en moins. Ok, pour l'instant, les autres sont.
tous aux aguets. Et c'est une réussite. Une réussite, pourquoi ? J'ai pas tellement précisé avant, mais enfin, en gros, vous l'aurez compris, je pense, c'est l'action diplomatique. L'action diplomatique, ça amorce plutôt bien. Quoi. Ça amorce plutôt bien. Ça signifie que le dialogue est ouvert. Le dialogue n'est pas facile. Le dialogue n'est pas facile. Mais les Ewoks se postent en position défensive, avec leurs lances pointées en avant. Mais ils ne se battent pas tout de suite. Et bon, alors dites-moi si vous tentez quelque chose de particulier. Bunker demande, il y a un individu sans casque, autorisation de tirer. Des êtres aussi mignons ne peuvent avoir qu'un cœur pur, pense Cobra. A-t-il raison? Ah, Nasher propose du troc, des restes de viande contre la machine. C'est vrai que vous avez non seulement des restes de la chasse, qui est peut-être pas très exotique pour eux, mais vous pouvez aussi leur filer une partie de vos provisions plus modernes, ce qui pourrait peut-être les intéresser. Voilà. Tire sur un individu non protégé autorisé. La collision ne tirait qu'à un mètre de la cible. Peut-être qu'ils vont aimer la pâte insipide. Alors comme on est gagné, je comprends tout à fait ta réaction. Mais comme on est sur un gros groupe et qu'en fait il y aurait plein d'opérations qui seraient infaisables, parce qu'il y aura forcément toujours des voix dissonantes, hein, c'est normal. On va quand même essayer de voir si la partie négociation en cours aboutit. Et puis peut-être après tu pourras leur tirer dans le cul quand ils seront en train de partir, je sais pas. Mais pour l'instant il y a une vague discipline militaire qui fait que vous arrivez à rester un peu en cohésion. Et allez, je vais faire un jet de chance juste pour voir à quel point vous leur faites facilement comprendre. Bah après, ce qui les embête, vous pouvez vous en douter, vous leur faites comprendre ce que vous voulez, c'est assez simple. La langue la plus internationale, c'est celle du commerce, je pense. Vous leur montrez la bouffe, vous leur montrez la machine. Bon, c'est assez clair. Mais vous avez quand même l'impression que ils ont vu ces machines à l'œuvre et ils savent bien à quoi ça sert, quoi. Ils n'ont pas tellement envie que vous alliez buter leur village avec ce genre de choses. Du moins, c'est ce qui vous semble comprendre. Alors, est-ce que vous avez... J'allais faire un jet de chance. Si vous avez des bons arguments que vous arriveriez à faire passer sans parler vraiment leur langue, je peux vous accorder un dé plus d'avance. Oui, pardon, c'est la langue internationale, c'est l'amour. Autant pour moi. Ça en fait deux. Disons qu'il y a deux langues internationales. Donc le nouveau nom en P, bon, ça peut être compliqué à justifier. Enfin, bien sûr, vous êtes venu pour assurer la paix de la galaxie, donc c'est vrai hein, ce que tu dis. Mais c'est difficile de leur faire comprendre, de toute façon, tout simplement. Pour Cobra, tu dis on va utiliser la batterie qui est à l'intérieur pour éclairer votre village, on pourra faire une super fête le soir. C'est difficile de leur faire comprendre ça. Il faut que ce soit un truc un peu simple, non ? Je sais pas. Ouais. Un grand sourire de commerçant. Et avec ceci, mon petit Ewok, nous voyons pacifier. Ah, on peut peut-être... attendez. Je vais faire un G. Est-ce que je vais faire un G pour ça? Non, oui. On va simplifier les négociations de la façon suivante. Il se trouve qu'ils ont avec eux un droïde de protocole. Je ne sais pas quel est ce droïde. Je ne dis pas qu'il est doré. Je sais pas. Ils ont un droïde de protocole avec eux qui permet... de faire une négociation plus poussée, le cas échéant. Donc vous pouvez négocier comme vous voulez, pas forcément un truc simple. Donc, ils ont un droïde avec eux. Donc les choses un peu plus complexes, comme par exemple utiliser la batterie. Mais ça, c'est sans doute un mensonge. Enfin, je pense pas que vous comptez vraiment leur donner la batterie pour éclairer leur village. Enfin, quoi que Cobra, peut-être qu'il en a vraiment envie. Mais c'est pas sûr que ça soit la vie du groupe, quoi.
Donc on part sur les négociations éventuellement complexes avec Bourinos, par exemple, qui dit « Le gros truc en métal est rare. Nous sommes envoyés pour le récupérer. Si on ne le récupère pas, 50 000 autres soldats viendront, car on n'en a pas beaucoup. » Donc, la menace. Donnez-nous-les ou on vous piétine la gueule. Ouais, c'est pas mal, on va pouvoir faire un sondage. Ouais. Négociation. Alors, viande. Déjà, quand même, vous leur donnez la viande, il y a ça qui est acté. Mais comment vous musclez la négociation? Plus menace. Plus promesse de... d'amélioration de leurs conditions de vie. Ça, c'est le coup, c'est ce que proposait Cobra pour les batteries, tout ça. Ça peut aller plus loin que ça, mais en tout cas, grosso modo, vous leur promettez monts et merveilles et c'est probablement des mensonges. Ou bisous, en mode full love. Et en mode... tirer et négocier après. Bah, à la limite, oui. Alors, à ce moment-là, c'est un remplacement. Comment je peux écrire ça? Non. Piétiner. Voilà. Si vous le donnez, on dit qu'on vous a pas vu. Ouais, promesse d'amélioration. On peut mettre ça dans promesse d'amélioration de leurs conditions de vie. Enfin, plus. On va mettre juste promesse. Voilà. Des menaces, des promesses, des bisous. Ou on annule la négociation et on les explose. C'est bon, ça me semble assez complet. Allez, go. Attention, dit Fano, selon l'article 27 de la gestion des stocks, le gaspillage de nourriture et de matériel, comme l'offrir à quelqu'un dans le besoin ou autre cadeau et marque de respect, revient au militaire responsable de ce gaspillage. Des bisous, nous, aux bisounours Siwok. Et ouais, des bisous. C'est vrai qu'il vous inspire un peu de peur, donc c'est un peu compliqué de... On va voir. Bon, c'est pas forcément des bisous de manière littérale, mais... Dire la vérité, mais c'est quoi? C'est... Ouais, en fait... Bon, on va dire plus rien, juste... quelques bisous et des mots gentils. En gros, la négociation juste viande contre le machin... Et ça sera peut-être la version la plus honnête, quoi. Ok. Allez, go, on envoie ça, déjà. Hop. On essaie de fuir, aidez-nous. Oui, d'accord, ouais. Ouais, c'est vrai. On n'a pas forcément mis dedans, mais... On va le mettre dans le... Dans le plus rien, quoi, ou... Le plus rien, ouais, on va dire que c'est vraiment jouer carte sur table avec eux et juste essayer d'être un peu sympa et sans plus. Quoi. Les menaces, des menaces. Les promesses, ça serait essentiellement du mensonge, quoi. Leur faire passer des vessies pour des lanternes, comme on dit. En plus, je pense que tout le monde a voté parce qu'il y a toujours un peu d'AFK. Je sais pas préciser en début que quand on s'en va, ça peut être cool de faire la déconnexion du personnage pour qu'il compte plus dans les sondages, mais c'est pas très grave. Je pense que là, on est... Ah, non, on l'emporte. 92%. Je vois que l'esprit de l'empereur est encore avec vous. Bon, ben, c'est go, piou, piou. Hein. Peut-être qu'un jour, la 502e Légion trouvera d'autres... D'autres façons de résoudre ces difficultés, mais pour l'instant, il faut que vous arriviez en vie en dehors de cette planète. Pour l'Empire. Puisqu'en plus, on a aussi deux dans les menaces. Donc globalement, les versions plutôt agressives ont largement le dessus. Et le droïde, effectivement, aurait autant de pas tirer dessus, il pourrait servir, tout à fait. Ok. Bon, comme ils se sont mis en position pour vous accueillir, il y aura quand même un petit jet avec des pertes de points, mais enfin, bon, ça devrait... Donc, ça, bon, quand même, vous tirez sous les e-box, ça reste difficile. Mais...
Hop. Allons-y pour tout le monde. Mais, même si, à moins que vous fassiez, à moins que tout le monde rate, ce qui pourrait remettre en question l'issue, vous avez quand même de grandes chances de l'emporter, mais c'est juste pour voir qui souffre pendant la bataille. Vous êtes nombreux à vous prendre quand même des coups. Des coups, hein, dont Bourinos, qui était peut-être parmi les premiers à charger. Et qui veut absolument les piétiner, et qui utilise quand même son blaster en courant, mais qui va à coups de botte. Dral qui retombe dans ses petits manques de chance, mais bon, ça va. En tout cas, tout le monde a quand même arrivé à bien participer au combat. Et vous l'emportez, cette fois-ci, vous les battez à plat de couture. Et vous récupérez non seulement le bipède, mais aussi le droïde. Et en plus de ça, comme vous avez rendu la zone safe, vous récupérez aussi le speeder qui s'était accidenté. Et comme vous êtes très nombreux à être des techniciens, on va faire un jet. Hop, on va faire un jet d'adresse pour les Tecos. En difficulté assez facile parce que vous êtes maintenant, vous avez pacifié la zone. Pour les Tecos. Hop. Donc pour réparer à la fois le bipède, le speeder et puis le droïde qui s'est quand même pris une balle perdue, enfin un laser perdu. Et c'est 4 victoires pour 4 défaites. Bon, vous remettez en état le bipède qui était quasiment OK. Par contre, le speeder a quand même pris cher et c'est un peu compliqué de le réparer à l'arrache, quoi. Bon, mais le droïde, bon, il a perdu une jambe. Il y a l'un d'entre vous qui le porte dans son dos. Et puis ça ira très bien comme ça. Alors, donc, article 75B, sous les trésors de guerre, les droïdes de protocole doivent être récupérés dans le meilleur état possible afin d'en tirer un maximum d'informations avant de lui trouver un rôle pour l'Empire. Negani d'abord reste derrière. Je me prends toujours des balles perdues. Ça pique leurs petites armes, hein. Ouais, tout à fait. Ça pique, ça pique. Bon, les techs ont fait le taf minimum syndical, mais qui est déjà correct, quoi. Ça récupère de la tête d'Ewok pour décorer les armures. Ok, donc Cobra porte le droïde, impeccable. Fano est pas sûr de la décoration de l'armure là. CF, article 65, alinéa 8. En plus, c'est voyant. Bon, c'est pas mal, vous. Vous avez, alors, parmi vous, les techniciens sont les plus à même de conduire le bipède. Donc, bon, après, je ne sais pas qui. Je peux tirer au sort deux personnes parmi les techs, si je ne m'abuse. Et par exemple, ça pourrait être Cobra et Fano. Alors, peut-être pas Cobra si. Quoique si, non, en fait, oui, c'est assez logique en vrai. Cobra, tu montes dans le bipède avec le droïde, comme s'il est quand même plus facile à porter à l'intérieur, évidemment. Et avec Fano, vous vous trouvez dans le. C'est bien parce qu'en plus, Fano, tu retrouves une petite bibliothèque à l'intérieur. Tu retrouves des fichiers réglementaires qui peuvent permettre. Bien sûr, tu connais tout par cœur, mais si jamais tu devais prouver tes dires à tes compagnons plus rigoureux, tu peux leur montrer. Regardez ces cris-là! Voilà, donc c'est. Cobra pleure clairement pour ses frères Ewok tombés au combat. Alors, Ed, article 145, sous l'utilisation de matériel pour se fondre dans le décor lors d'une mission. Oui, la tête, ça fonctionne. Plus pour les commandos, mais après tout, vous allez être promu peut-être commando quand vous sortirez cette mission inhabituelle. C'est ça, comme dit Nasher aussi, on peut tout à fait adapter les armures pour mieux se fondre dans le décor. Les émotions sont interdites. Bonne idée, ouais. Ouais, si, on va dire qu'il y a un haut-parleur sur le bipode pour que Fano continue de vous casser les peu de vous rappeler à l'ordre. Heureusement qu'il est là pour ça. Et il peut le faire en mode Apocalypse Now à travers les haut-parleurs. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, Cobra conduit en respectant à la lettre les ordres de Fano. Nickel. Ça va.
Bon, vous voilà bien. Alors, pour le speeder qui est abîmé, on va dire que vous arrivez quand même à mettre en place son antigrave suffisamment. Enfin, comme quand on a un vélo qui a une roue crevée et qu'on porte à côté de soi, vous pouvez faire avancer le speeder abîmé avec vous. Mais bon. Mais vous reprenez ensuite votre route parce que vous étiez en train quand même de vous diriger vers un point en hauteur. Enfin, maintenant vous êtes un peu plus habitué. Maintenant vous avez enfin rencontré des Ewoks. Vous êtes tombé dans leur piège. Vous savez plus à quoi vous attendre. On va quand même faire un jet de rigueur, mais qui cette fois-ci sera facilité. Il n'y a pas d'effet individuel, c'est un effet global. Si vous faites un gros échec, il peut se passer à nouveau des bricoles. Mais non, voilà, 9 victoires pour 4 défaites, tout va bien. Vous repérez quelques autres pièges que vous arrivez à désamorcer sans souci, mais qui de toute façon n'étaient pas. Vous voyez parfois un Ewok au loin qui vous observait et puis qui s'enfuit quand il voit que vous tombez pas dans leur piège, quoi. Mais quand même, il y a des Ewoks un peu isolés qui ont l'air de connaître votre position. Vous n'êtes pas en totale détente quand même. Mais pour l'instant, tout se passe plutôt bien et vous vous approchez de. Ça commence à monter en fait, vous commencez la montée. Les arbres sont toujours suffisamment hauts pour cacher le bipède. À l'instant, je viens de vous dire que votre position n'est pas complètement secrète, mais ce que je veux dire, c'est que. S'il y a des Ewoks un peu dans le coin qui savent votre position, vous espérez que les terroristes rebelles, eux, ne savent pas où vous êtes. Et par rapport à eux, c'est bien de montrer le bipède, quand même, de cacher le bipède. Ok. Et donc vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez. Je regarde un peu où vous en êtes. Attention, Cobra. Toute tournure de phrase poétique peut être interprétée comme un signe d'intelligence interdit chez les Stormtroopers de tout grade. Par rapport à. Ah oui, il y a Cobra qui disait : tu es l'incarnation du règlement, un phare dans la nuit. Ah, l'ami ordinateur. Vos accréditations sont plutôt infrarouges là. Mais bon. Enfin, quoique maintenant que tous les règlements sont tombés, vous pouvez décider d'être ultraviolet. Ça marche. Enfin. On fait des petites privées de jokes sur un jeu qui s'appelle Paranoia, qui était drôle. Mais... Le règlement est de notre nouvel empereur. Ça peut être assez cool. Franchement, c'est un bon concept. C'est un bon concept. Hop. Très bien. Le règlement est notre guide. Impeccable. Je kiffe. C'est bon. Gloire au règlement. Non, j'allais dire le saint règlement. C'est pas très Star Wars, le saint règlement, mais... Non, le règlement est notre nouvel empereur, votre guide. Gloire à lui, c'est très bien. Ouais, ça. Non, Drake, voyons. Bon. Donc, on a fait ce jet juste pour voir si vous résistiez bien aux différents pièges et compagnie. J'ai déjà résumé la situation. Et vous êtes en train de terminer votre ascension de quelque chose qui n'est pas une montagne. C'est juste une bonne grosse colline. Hein. Et vous arrivez à son sommet. Avec, je vous le disais en début de session, des arbres sur cette colline aussi qui permettent de voir encore plus loin. Et quand vous n'avez pas de scout, si ça continue ce truc de règlement, je vais rejoindre les Ewoks. Le règlement n'est pas du goût de tous les Stormtroopers. Certains étaient peut-être contents de voir disparaître le règlement, comme certains ont pu être heureux de voir disparaître la bise pendant la pandémie, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire des exactions, commissaire politique ? Vous espérez que les terroristes ne vont pas instaurer les tribunaux de guerre qui vous seraient défavorables, mais pour l'instant, par rapport au règlement impérial, vous n'avez rien fait de très répréhensible. Bon. Est-ce que l'Empire... Bon, pour l'instant, vous savez que la bataille a été perdue, mais vous n'êtes pas... Vous osez espérer quand même que l'empereur aura désigné un successeur qui va vite reprendre les rênes et rétablir la situation. Bon. Pour l'instant, il vous faut quitter cette planète maudite. Et vous voici... je ne sais pas si ça mérite un sondage, pas forcément. On va plutôt faire un petit jet simple de rigueur.
Vous avez le temps. En cas de réussite, vous gagnez un petit point de volonté. Dans le sens où si vous observez, enfin, comment dire, tout le monde se met à observer un petit peu. Il y en a qui vont grimper dans les arbres et tout. Pour celles et ceux parmi vous qui sont les plus à l'aise dans l'exercice, ça peut être assez revigorant de se dire que vous êtes en train de façonner votre issue par rapport à cette situation difficile. Cobra est sans doute trop occupé à rêver à ses Ewoks. Bourinos a nettoyé ses bottes pleines de sang. Pour Stormdral, bon, et Nashir, c'est un peu compliqué aussi. Pour les autres, vous trouvez revigorante cette petite scène pendant laquelle vous scrutez tous ensemble à vous dire, regarde par là, parce que quand même, même si à la base on est sur une lune, une planète très assez pas industrialisée, enfin assez basique, là avec les batailles qui ont lieu récemment, il y a des vaisseaux qui sont écrasés sur la planète, etc. Vous voyez des choses. Et démolériser, c'est barbare, c'est vrai. Autant démolariser, ça va, mais démolériser, ça serait dégueulasse. Démoraliser l'ennemi. Hop. L'empereur n'est pas mort. Ce sont des rumeurs fallacieuses. C'est vrai, sans doute. C'est vrai qu'il est fort probable que ça soit juste une rumeur lancée par les terroristes et qu'en fait, si vous arrivez à quitter l'orbite, vous retrouviez une partie de la flotte impériale et l'empereur qui vous attend. Et qui sera prêt à vous décorer immédiatement pour votre courage et votre ténacité. Alors, voilà. Attention, dit Fano, la trahison n'est permise que pour les militaires de grade général et plus. Les autres ne sont que, je cite le règlement, des sbires qui obéissent et se taisent. Le règlement a parlé, on ne doit pas trahir le règlement. Le nuage là-bas me fait penser à un papillon, pas vous. Enfin, ça, c'est le petit point de volonté qui remonte. Et ouais, vous remarquez plusieurs choses, dont... Alors, hop. Il y a plusieurs zones d'intérêt. Alors, vous voyez des vaisseaux qui ont l'air d'être vraiment écrasés, hein, dont un destroyer stellaire, mais qui est bon, enfin, qui ne revolera plus jamais, ça c'est sûr. Et d'autres choses par-ci par-là, dont dans un certain coin, ce qui semble être une base rebelle, on dit en temporaire, quoi, donc un peu risqué. Et vous voyez, un truc qui est peut-être un peu plus prometteur, c'est un cargo rebelle, donc un vaisseau de transport qui, lui, avec vos jumelles très longue portée, vous constatez qu'il est, qu'il semble être en réparation. Il a dû faire un atterrissage forcé dans une clairière particulière. Mais à la limite, il a l'air d'être prêt à redécoller dans pas si longtemps. Ça pourrait être un vaisseau que vous pourriez utiliser. C'est les points majeurs que vous repérez. Après, vous voyez un peu de l'activité Ewok. Vous voyez dans le ciel, au loin, des Ewoks qui volent dans des espèces de deltaplanes en peau de bête. C'est pas très rassurant. Donc. Alors. Voyez, regarde Fano en se demandant s'il y a moyen de l'assommer discrètement. Tu ne dois pas être la seule à penser ça dans la quarantaine de Stormtroopers de votre groupe. Et oui, puisque Lazier dit, la voix stridente de Fano me donne envie de rejoindre les terroristes rebelles. Il peut y avoir deux factions internes, la faction pro-règlement et la faction anti-règlement. Le tout, c'est qu'on ne peut pas non plus séparer le groupe, donc il faudra quand même que vous trouviez une sorte, au moins un terrain d'entente, même s'il y a deux grandes philosophies qui se dégagent. Il n'y a pas des trucs dedans et peut-être des copains de la marine, ouais. Donc ouais, on va... Ah non, ils sont un peu loin pour tirer les... Enfin, quoique, ouais, on va dire qu'il y a... Vous avez un ou deux fusils de sniper, ouais. C'est Neganil, là, qui disait qu'il y avait... Ouais, on va faire un G. Allez, t'as combien en shoot? On va bientôt terminer, hein, on va bientôt finir la session. On va surtout décider ce que vous faites pour la suite. Neganil, t'as 13 en adresse, c'est pas mal. Mais c'est vraiment dur, hein, ce que tu tentes. Hein. Si tu réussis, franchement, si tu réussis, allez, c'est que tu vas gagner carrément un point de rigueur. Mais c'est vraiment dur, quoi. De temps en temps, je vais pas faire mille fois ce genre de truc, mais une fois par session, on peut faire un petit jet.
mais c'est vraiment ardu. Et en cas d'échec, tu le prends mal, quoi. Donc ça, c'est pour Neganid qui repère un Ewok volant et qui va absolument s'en débarrasser. Ouais, t'as un sniper, donc c'est... T'as des chances d'y arriver, mais en gros, une probabilité sur 3 à peu près, je sais pas. À peu près, quoi. Si ça rate, écoute, bon, bah, t'auras tenté. Allez, go. Je ferai aussi un jet de chance, peut-être, pour voir si... Ah, mince, bon, t'as... est-ce que tu assistes au... Parce que ça se remarque, quand même, hein. Ça, c'est des shoots qui... Je vais faire un petit jet. Bon, ça va. Au moins, avec le double plus, on évite t'évites de rameuter tous les terroristes du coin. Mais bon, peut-être qu'il vaut mieux faire attention et pas insister. En tout cas, il a senti que tu l'avais attaqué, hein, l'Ewok. Il file, ça. Ouais, vu la taille du canon, moitié de tir d'artillerie. Tu consommes l'équivalent de 20 coups de blaster normal à chaque shoot. Donc, ouais, on va faire un dernier sondage pour... Quel objectif suivant? Le destroyer détruit. Et pas va piller. Copain à trouver. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, la base rebelle, enfin, vous êtes une quarantaine, c'est un peu compliqué quand même. Le cargo réparable, gardé par quelques rebelles, enfin, ça a l'air gérable. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Enfin, non, c'est essentiellement ça que vous voyez, en fait. Mince, le choix 3, vu que je ne l'ai pas rempli, je ne sais pas si... J'ai mutiné. Il était beau cet Ewok dans son delta plane. Je vais essayer comme ça. Je vous laisse quand même quelques secondes voir s'il y a autre chose auquel j'ai pas pensé qui pourrait être intéressant. Mais donc il y a le front anti-règlement comporte 3 personnes maintenant avec Nasher qui propose de cramer les règlements. De cramer Fano ou de faire un feu de joie en brûlant les deux. On peut, ouais. S'installer ici. Et attendre une meilleure opportunité. Attendre des renforts. Si vous estimez qu'il y a peut-être après tout d'autres Stormtroopers dans le même... Attendre des renforts ou autre chose, mais en tout cas... peut-être qu'il y a d'autres Stormtroopers qui pourraient vous rejoindre à terme. Ok, allez go. Drake, tu demandes le lien. Le lien pourquoi t'as perdu. Si t'as perdu la fenêtre ou quoi, je te remets le lien ici. Il y a peut-être une radio. Voilà, vous avez avec vous des radios personnelles. Effectivement, si vous atteignez le destroyer, vous pourriez avoir accès à des radios. Très longue portée, subspatiale, qui peuvent communiquer avec d'autres planètes et tout. Hein. C'est sûr que c'est pas la même chose, quoi. Donc il y a une bonne... Une bonne majorité pour l'instant qui va probablement l'emporter pour aller vers le Destroyer. Donc pour les gens qui connaissent pas... c'est vrai que je l'ai pas montré, mais... Pour les gens qui connaissent pas Star Wars... C'est des vaisseaux triangulaires énormes. Bon, je pense qu'on les a au moins vus un petit peu, même si on ne connaît pas tellement la série. Voilà de quoi il s'agit. C'est un truc qui fait 800 mètres de long. Enfin, il y a plusieurs modèles, mais on va dire que c'est un modèle à 800 mètres de long qui s'est écrasé, qui demande des centaines ou des milliers de personnes pour tourner. Donc c'est sûr que vous n'allez pas décoller avec ça. Mais, et puis vous pouvez supposer qu'il y a des... Bon, il y a peut-être quelques... Beaucoup de gens ont dû mourir pendant le crash. Peut-être que des rebelles se sont déjà approchés. Mais en tout cas, ça peut être quand même... Quelque chose que vous pouvez aller visiter. Ouais. Tu connais le gros jouet Lego, ouais. Ok.
Je ne sais pas pourquoi, Fano, mais il pense à l'article 165B au sujet de la détérioration du document réglementaire officiel. Pour l'instant, ils ont mis le feu, rien du tout, ça va. Il doit avoir une sacrée traînée derrière s'il s'est crashé. Ouais, après, il a pas forcément fait un. Ouais, je sais pas. On peut estimer qu'effectivement, il a peut-être pu tenter hein, une récupération sur les derniers kilomètres et qu'il a fait une espèce d'autoroute de terre. Mais dans tous les cas, il s'est quand même très violemment endommagé. Bon, on peut terminer le sondage là, qui l'emporte haut la main au niveau de l'exploration du Destroyer. Et c'est ainsi que votre troupe se remet en marche pour aller vers ce nouvel objectif. Et en fait, on va s'arrêter plus ou moins là, puisque l'idée, ça va être un peu ça, de faire à chaque épisode, même si quelqu'un n'a pas été là la fois précédente ou quoi, je vais essayer de faire en sorte que chaque épisode ait son propre objectif et qu'il n'y ait pas besoin de savoir beaucoup de choses de ce qui s'est passé avant. Enfin, là, en l'occurrence, si quelqu'un arrive la prochaine fois, bon, ce que vous avez vécu se résume en quelques phrases, quoi. C'est pas compliqué. Même au bout de 5 séances, je pense pas qu'il y aurait une histoire extrêmement complexe. Donc le but, c'est qu'à chaque session, on puisse te dire bah, on va à peu près vers ça. Même si vous avez vu, il y a quand même une part de liberté aussi. Hein, mais là, l'objectif était quand même globalement de s'en tirer. Et là, vous approchez, sans doute, d'une solution qui devrait permettre de sauver votre peau. Piu-piu-piu, piu-piu-piu. Résumé de l'épisode, piu-piu, ouais, c'est ça. Oui, là, c'est pareil aussi. Hein. Là, forcément, au début, vous vous êtes comporté, mais franchement, vous êtes comporté comme des Stormtroopers typiques, c'est parfait. Avec le temps, c'est ça qui va le plus évoluer dans la campagne. Ben, votre équipe va acquérir plus d'expérience, de savoir et de relations et de plein de petites choses qui vont se rajouter et qui feront que peut-être, là, ça n'a pas été utile, mais petit à petit... Je vous souhaite de quitter Endor quand même en vie. Une fois que vous aurez quitté cette lune et ce système, il est possible que vous trouviez des actions, des activités qui permettront un peu plus d'utiliser votre ancien métier ou ce genre de choses. Et nous verrons cela. Ah non, mais je suis bien d'accord, hein, Bunker, qu'il faudrait des heures pour compter toutes vos actions héroïques. Et nous ne sommes pas de vulgaires troopers, hein, tout à fait. Mais bon, en tout cas, on reste dans la possibilité de voir des camarades. C'est pour ça aussi que j'ai mis une réserve, bien sûr, hein, vous l'aurez peut-être compris. Si, quand je dis que vous êtes en tout une quarantaine, c'est pour que si jamais des gens rejoignent la semaine prochaine et n'étaient pas là, ce sera des gens qui étaient avec vous et qui ne se sont pas fait écraser par des pièges et qui d'un coup vont prendre de l'importance. Et inversement, si vous n'êtes pas là la prochaine fois, votre personnage, on va quand même considérer qu'il est avec le groupe. C'est juste qu'il ne participera plus aux décisions quand il n'est pas présent, c'est tout. Oui, comme dit Nasher, ouais, n'hésitez pas, si vous voulez une alternative beaucoup plus pacifiée et plus agréable que Twitter, vous pouvez rejoindre Mastodon sur ludosphère.fr ou .net, .fr, je crois. Enfin, il y a plusieurs instances, mais le fonctionnement est un peu différent de Twitter, mais c'est assez cool. Ouais. Pour les gens qui sont venus pour la première fois, il y a un serveur Discord aussi qui permet de se coordonner parfois pour les prochaines soirées. Là, je vais quand même mettre en place un truc assez stable. Hein. L'idée, c'est de tous les deuxièmes mardis du mois de reprendre une histoire dans le même contexte. 21h30, 23h30, minuit, quoi. Voilà, ouais, suivez, ouais, merci Bunker. Ouais, suivez la chaîne Twitch aussi, ça vous permet d'avoir un rappel par mail au moment où je lance un live. Et je vais aussi, pour les gens qui aiment bien le médial fantastique ou le sport, je sais pas, c'est pas prêt encore, hein, mais dans un mois ou deux. Il y aura aussi un autre mardi de ce type de jeu qui va se mettre en place pour du Warhammer en mode Blood Bowl. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de football américain, médiéval fantastique. Et en fait, l'idée, ça serait de faire une campagne, pareil, une fois par mois, où vous jouez, vous ne seriez pas les gens sur le terrain, hein, mais vous gérez. L'idée, ça serait de gérer une équipe, quoi. Donc de savoir qui on recrute, est-ce qu'on recrute ce hobbit parce qu'il est rapide, machin, est-ce qu'on recrute cet ogre parce qu'il est costaud, et puis jouer un peu tous les négociations de joueurs, le choix des tactiques, plein de choses. Enfin, c'est assez expérimental, hein. Les règles sont encore à définir, mais ça peut être drôle. Hein.
Ça peut être drôle, je pense. Et pour les Stormtroopers, on va essayer d'étoffer aussi, bien sûr, hein, pour pas que ce soit juste tout le temps des jets de blaster et compagnie. On va essayer de trouver petit à petit des règles qui vont ajouter un peu de finesse et de richesse dans la chose. Voilà. Ouais, Blood Bowl, ça peut être marrant. Ouais. Mais bon, y a un peu plus de boulot de préparation parce qu'il faut que je fasse des fiches pour chaque joueur et tout. Les joueurs, les sportifs, je veux dire, quoi. Le renversement du règlement, c'est la prochaine objectif de certains Stormtroopers. Ouais, non, c'est ça. Réseau social, c'est vraiment à la façon de Twitter, Mastodon. Mais bon, y a plusieurs raisons qui font que c'est plus calme, plus détendu. Il y a aussi, bien sûr, moins de monde, ce qui fait que. Enfin, bon, je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais. Mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de voix d'algo qui choisisse à notre place ce qu'on doit avoir. Et de possibilités de. Enfin, il y a moins de possibilités de harcèlement et de messages qui partent en live, quoi. Pourquoi on utilise Twitter plus que Discord? Après, c'est deux choses très différentes. Discord. Bon, là, j'ai mis le lien pour le Discord que j'utilise pour. Discord, c'est bien pour les petites communautés. J'avais pas vu le mème de Lazier. Décrit n'importe quelle situation. Le chat. C'est ça. Non, mais vous inquiétez pas. Vous avez été les Stormtroopers parfaits. By the book. Donc, pas de problème. Mais c'est vrai qu'on va. Vous comme moi, si c'est ça à chaque fois, on va quand même finir par se lasser. Donc, on va trouver petit à petit d'autres choses à faire parfois. Est-ce qu'il y a un compte Minotaur sur Mastodonte? Mastodon. Je crois pas, mais après c'est moins. Enfin, tu me dis Nashur, mais j'ai l'impression que c'est moins. Mastodon, c'est vraiment des personnes qui sont sur Mastodon. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des entités, des groupes qui soient tellement placés dessus, je sais pas. Mais par contre, on relaye un peu les informations sur Minotaur. Et en fait, ce qui est marrant avec Mastodon, c'est que suivant l'instance qu'on rejoint, on peut voir des gens qui font d'autres choses de par le monde et tout. Mais on est quand même un peu centré autour de gens qui ont choisi la même instance que nous. Par exemple, sur Ludosphère, c'est des gens qui s'intéressent aux jeux de rôle, aux jeux de société, etc. Donc, même s'il n'y a pas que ça, on est essentiellement entre personnes avec des centres d'intérêt communs. Après, ça peut sembler être un peu trop fermé. Ouais. Je ne sais pas si la comparaison à Twitter, finalement, elle est si pertinente que ça, parce que l'interface est très semblable. Bon, il y a beaucoup de fonctionnements très semblables. Mais au niveau de la façon dont on tisse des liens, c'est quand même assez différent, en fait. Bah, Nasher l'expliquerait mieux que moi, je pense, mais. N'hésite pas, Nasher. Je crois que les. Je sais plus si mon bot, là, il bloque les liens. Si tu veux mettre un lien, Nasher, ou me suggérer un lien à mettre. Attends, je peux mettre déjà ludosphère.fr. Où est mon chat? Hop. Ouais, c'est une bonne description. Ouais. Ah, il a été bloqué. Là, c'est ça que tu voulais mettre ou tu voulais mettre autre chose? Ouais. Bon, je mets déjà ludosphère.fr. Des petits villages connectés entre eux. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Bonne nuit. Alors, ouais, Alex, c'est pas forcément la semaine prochaine. Enfin, après, s'il y en a qui sont chauds, on peut en parler sur Discord, mais on peut faire des one-shots sur d'autres thèmes entre-temps. Hein. On peut tout à fait faire mardi prochain une nouvelle partie sur un thème qui n'a rien à voir. Il y a 2 semaines, on a fait du western, inspiré du film La Vallée de Gwangi, avec du western avec des dinosaures. Donc, ouais, si y en a qui sont. Si vous êtes partant, on peut faire d'autres parties entre-temps. Ouais, on a réfléchi on a pensé à faire une galère dans la Grèce antique aussi, ou la Rome antique, ça pourrait être marrant. Mais en tout cas, le Star Wars, ça sera tous les deuxièmes mardis du mois, et je pense que le Warhammer, quand il démarrera, ça sera les quatrièmes mardis du mois, un truc comme ça, quoi. Pour les campagnes, on va intercaler ça, de cette façon-là. Et les autres trous, ça pourrait être des one-shots. À une époque, j'ai fait beaucoup, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de one shot chaque semaine et ça a fini par fatiguer un peu tout le monde, moi compris. On a fini par. À la fin, on était plus très nombreux, donc j'ai fait une grosse pause. Mais si on arrive à être au moins 5-6 régulièrement, je ferai volontiers des one shot en permanence, il n'y a pas de souci. Enfin, chaque mardi, quoi.
Sur Warhammer, l'idée, c'est de faire une gestion d'équipe sportive. Vous seriez, pas, encore une fois, pas tellement besoin de connaître Warhammer. Hein. C'est juste, on est dans une ville qui s'appelle, qui sera soit Aldorf, soit Midenheim. Enfin, bon, on est dans une ville. Ou alors, c'est une troupe itinérante. Ça peut être marrant aussi. Et ouais, si vous avez entendu quand j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est ça, c'est l'idée. En gros, on recrute des humains, des elfes, des hobbits. Et autres espèces pour constituer une équipe de 6 à 10. Ça dépend quelles règles je prends, je vais voir. Et ça peut être rigolo dans le sens où on jouerait tout ce qui n'est pas le match. Après les matchs, il faudrait trouver un moyen quand même de les représenter et de les jouer avec un moment un peu excitant. Mais on jouerait surtout tout ce qu'il y a autour, quoi, les magouilles, les sabotages, les négociations, les campagnes de promo, le recrutement de plein de fois. Ça peut être marrant. Tu peux faire l'arbitre, tout à fait. Peut-être que tu joueras pas l'arbitre, mais tu pourras acheter l'arbitre. Ou en tout cas, prouver à l'arbitre qu'il a tort. Oh là là. Je cherche une raison d'aller régulièrement sur Mastodon et gagner. Alors moi, bon, après, moi, je participe pas beaucoup non plus sur Twitter. Je vais un petit peu sur les deux. Mais après, ouais, comme moi, je suis pas très... Je parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, je sais pas non plus de bons conseils à donner là-dedans, ça dépend à la consommation de chacun de ces trucs-là. Mais ouais, bon, de toute façon, ça coûte pas grand-chose, tu peux tester et puis tu verras si ça te plaît ou pas, quoi. Il y a aussi une application téléphonique comme pour Twitter là, qui permet de suivre comment ça s'appelle, il y en a plusieurs je pense. Moi j'utilise Tusky, T-U-S-K-Y, pour avoir Mastodon sur le téléphone. Bonne nuit, Dralcabur. Merci d'être passé, c'était cool. On va bientôt couper, de toute façon. Enfin, s'il y a encore des questions sur Mastodon ou sur les prochaines parties. Waya, t'es dessus. Je sais plus si on est connecté sur... sur la... Après, comme... Ouais, comme on... Ça, si on s'exprime pas beaucoup, c'est vrai qu'on se voit pas trop passer dans les fils, mais... Et donc, ouais, il y a un fil, alors je peux le montrer, je pense, il n'y a rien de critique à montrer ça. Je peux montrer rapidement mon fil Mastodon. De toute façon, c'est des choses... ouais. Donc là, par exemple, si je vais dans mon accueil, je vois un fil un peu comme pour Twitter ou Facebook, je vois un peu les gens de mon... Alors par contre, ouais, l'interface, en fait, comme là, elle est pas entière... Voilà, ça montre pas tout. Attendez. Voilà, ce serait intéressant que je montre ça. Quand l'écran est assez grand, sur la droite, on peut voir les dernières notifs. Si je vais sur fil public local, ça me montre que les actualités de mon instant, c'est-à-dire ludosphère.fr. Donc tous les gens qui ont rejoint la... Tu me diras si je me trompe quelque part, un HR, mais tous les gens qui ont rejoint l'instance ludosphère, je les vois dans le fil public local, pardon. Et quand je clique dans le fil public global, je vois les messages de toutes les personnes, non seulement de mon instance, mais aussi des instances qui sont reliées à la mienne. Alors, et ça, je crois que c'est Nacher, comme tu es l'admin de Ludosphère, c'est toi qui mets en place les liens avec les autres instances, je crois. Ce qui fait quand même qu'on n'est pas connecté au monde entier et on n'a pas un fil... Enfin, c'est un hybride intéressant. Sur Twitter, bien sûr qu'on ne voit pas tous les tweets du monde entier, ça serait insupportable. Mais on ne voit que les tweets de ceux ou de gens qui ont s'est abonnés, ou parfois, bon, il y a de plus en plus de suggestions Twitter avec des algos un peu relous quand même. Mais ici, avec le fil public global, on voit des choses auxquelles on ne s'est pas abonné, mais qui sont quand même des écosystèmes, des villages voisins, qui sont en l'occurrence francophones par exemple. Par exemple, là, c'est le lien, c'est un peu ça. Alors, j'ai une notif, mais je vais d'abord cacher l'écran avant de la montrer. Si c'est un message privé, on ne sait jamais. Mais... Ah, bah, Lazur, tu es dessus. Super, tu viens de te créer. Impeccable. Oui, si vous voulez me rajouter sur... Alors, de toute façon, sur Discord, on pourra s'échanger nos blazes Mastodon, mais... Hop, hop, hop. Je reviens sur le chat, parce que je ne vous lis pas depuis quelques secondes. Et hop... Voilà, comme dit Nacher, on s'isole des serveurs à facho, ce qui est déjà pas mal. Tu comprends rien, c'est pas grave, tu te sens vieux et confus, Lazur, ben c'est bien ça. Enfin, confus, c'est un peu relou, mais
Vieux, c'est pas grave, rejoins-nous. Bon, en tout cas, ah oui, arrobase, ouais, les URL sont du type. Ah non, mais je l'ai pas comme ça. Là. Attends. Ah, c'est je suis pas très bon, je suis pas sûr de, je la connais pas de mémoire. Si je vous mets mon Linktree, il y a beaucoup de choses dessus. Vous connaissez linktree.ii. Il y a plein de liens, de trucs. Et puis si vous allez... Mais non, en fait, je n'étais pas sûr de l'avoir mis à jour. En fait. Il n'y a peut-être même pas le mastodon. Hein. Je ne l'ai pas touché depuis un moment. Donc ça ne sert strictement à rien ce que je viens de faire. Sauf que si vous allez sur le blog... Bon, je pars dans un truc là. Je pars dans un truc compliqué. Si vous allez sur mon blog feldo.fr, voilà, ça y est, on y arrive. Ouf. Eh ben, ce fut laborieux, mais on y arrive. Hop. Là, sur la droite, vous voyez à quoi ressemble une URL, enfin, un truc, une adresse mastodon. Donc, c'est arrobase mon pseudo, suivi d'un arrobase et le nom de l'instance. Et ça permet de rajouter des gens. Et voilà, voilou. Je vais finir peut-être avec le fait que si vous voulez, il y a aussi la communauté de fiction interactive qui fait des trucs cool. Si vous me suivez, enfin, vous pouvez venir, il y a des soirées le jeudi soir qui démarrent à 21h45, 22h, où on joue à des fictions interactives ensemble. Quand je dis fictions interactives, c'est des jeux textuels un peu old school, quoi, où on tape ouvrir porte, prendre lampe, allumer lampe, etc. Pas que, où ça peut ressembler aussi à des livres dont vous êtes le héros avec des choix multiples. Il y a une Game Jam qui court tout le mois d'octobre, qui propose de faire des jeux qui font un peu peur, blablabla, avec des outils de ce genre. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous guider... sur la création, oui, non, bien sûr, pas de soucis. Voilà, on affinera sur Twitter, sur Discord, toutes ces histoires de liens, et pour les fictions interactives aussi, je peux renvoyer. Hop. Et puis voilà, comme ça, on va pouvoir boucler avant minuit. Game Jam, fictions qui font peur. Il n'y a pas de thème particulier, c'est juste, voilà, vous avez 19 jours et 9 heures pour faire un jeu qui fait peur. Et ça peut être très facile avec un logiciel comme Twine. Bon. Il y a eu une streameuse là qui s'appelle Chris qui fait en ce moment pas mal de streams pour montrer comment on s'en sert. Bonne... Je regarde juste si jamais elle est en ligne. Je pars en mode... Je vous envoie son nom, mais là je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Très bien, bonne soirée. Sur Discord, si vous avez des questions, on parlera de fiction interactive ou des prochaines soirées stream. Et puis si ça vous tente, donc on peut programmer pour mardi prochain une soirée sur un one-shot. Peut-être vous jouerez des galériens grecs ou romains dans l'Antiquité. Ça peut être rigolo. Bonne nuit à toutes et à tous. Et pour les Stormtroopers, ça reprendra dans un mois. Ciao, ciao, des bisous. Piu, 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 piu. Attends, je vais ressortir. En tout cas, vous avez gagné. On peut mettre le petit Stormtrooper qui chante pour l'Empire. Yes, bah avec plaisir, Bunker. Merci d'être passé. Merci aux gens qui ont découvert la chaîne et qui ont testé un peu avec nous. C'était cool. C'était cool. Ça fait plaisir. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas sur Discord à proposer des thèmes pour des soirées one shot. Quand je dis one shot, c'est voilà. Ici, on a fait une campagne qui va se suivre. Si vous avez des idées pour des soirées où on joue un seul thème un soir, allez-y. On a les galériens. On a parlé aussi de faire un truc sur la préhistoire un jour, mais tout est en stock. On s'en occupera petit à petit. Allez, je coupe. Ciao.
Attends, c'est quoi, j'ai vu quoi? Ah, une histoire avec des avions, non? Oui, 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 bien sûr, un zeppelin, je note. Zeppelin biplan, à fond, tout à fait, allez, ciao. Depuis le départ...